OK, alors, bon matin tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bien content de vous rencontrer, de pouvoir vous accueillir en salle de classe enfin pour vous et enfin pour moi, pour un vrai cours en présentiel, comme on dit. Donc, sincèrement, bienvenue, je suis bien content. Puis en plus, c'est votre premier cours de fiscalité, votre première expérience en fiscalité pour la plupart. Certains en ont peut-être fait au cégep, mais que, disons, la première expérience à l'université. Donc, je me sens doublement privilégié de pouvoir jouer ce rôle-là là aussi, de vous initier à ce domaine-là. Donc, je vais être le premier professeur qui va vous enseigner la fiscalité. Donc, je vais essayer de vous donner le goût de ça. Non pas nécessairement pour faire une carrière de fiscaliste, mais minimalement faire vos cours minimaux de fiscalité qui sont prévus dans votre programme, puis que vous ayez du plaisir à les faire. Donc, un premier cours, il y a toujours aussi pas cette pression-là, mais cette réalité-là. Donc, voilà pour l'accueil. Donc, moi, je me présente. Mon nom, c'est Nicolas Boivin. Donc, je suis professeur de fiscalité ici au département des sciences comptables. Ça fait presque 20 ans. Moi, je viens de Québec. J'ai fait mes études comptables agréées à l'époque à Québec, CPA. J'ai ensuite fait une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Donc, après ça, on est comme fiscaliste, entre guillemets, là, même si ce n'est pas vraiment un titre qui est géré par un ordre. Puis, comme fiscaliste, j'ai œuvré après dans un bureau comptable. J'ai donné des services conseils aux clients pendant 4-5 ans, peut-être. Mais en trame de fond de tout ça, j'avais toujours envie d'enseigner. Je l'avais fait un peu comme chargé de cours. Puis, c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus. Donc, je souhaitais vraiment faire une carrière dans l'enseignement. Puis, ça, en début 2000, 2003, j'ai joint l'UQTR à temps plein comme prof. Donc, voilà pour mon petit parcours. Je vais prendre une petite minute juste pour vous présenter mes enfants. Inquiétez-vous pas, je ne parlerai pas de moi comme ça à chaque cours. C'est juste pour le premier cours. Donc, moi, j'ai trois enfants. Donc, j'ai amené des photos ou une photo de chaque. Donc, ça, c'est mon garçon Émile qui est à l'UQTR il y a 20 ans. J'ai un autre garçon qui s'appelle Julien, qui a 18 ans, qui est au cégep. Et finalement, ma fille Alice, qui a 15 ans, qui est en secondaire 4, si je me trompe. Donc, voilà pour moi rapidement. De votre côté, je ne vous connais pas, malheureusement, pas beaucoup. Hein. C'est notre première rencontre. Ce que je vous demanderais de faire, c'est je vais faire circuler des vieilles cartes d'affaires. Dans le fond, le but, c'est juste d'utiliser le verso. Je demanderais d'écrire votre prénom sur la carte d'affaires puis de le mettre sur votre bureau. Donc, juste plier la carte en deux puis me mettre une petite pancarte avec votre prénom. Comme ça, quand je vais m'adresser à vous pendant la session, je vais être capable de vous interpeller par votre prénom plutôt que dire le jeune homme en arrière. Donc, ceux qui ont un ordinateur, c'est une bonne idée peut-être de le mettre sur l'écran d'ordinateur comme ça, avec votre prénom, face à moi. Donc, juste faire circuler la boîte, là. Tiens, je ferai ça, je vous en donne deux. Je vais en avoir à... Fais circuler la boîte, s'il te plaît. Je vais en avoir à chaque session de ça, ou à chaque cours, plutôt. Si vous le perdez, c'est pas grave. Venez me demander un carton, ou je vais vous en donner un dans le cours suivant. Il n'y a pas de problème. Le but caché, c'est que je réussisse à les apprendre, vos prénoms, bien sûr, sans avoir besoin de la petite pancarte. OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça, un cours de fiscalité dans votre parcours? Il faut savoir que certains étudiants, la plupart des étudiants dans la classe en ce moment proviennent d'un programme en sciences comptables. Donc, dans un programme de sciences comptables, il y a quatre cours de fiscalité. D'accord? Fiscalité 1, fiscalité 2. Qui sont interreliés et il y a des cours un peu plus avancés, là, un cours de planification financière personnelle qui est le troisième cours, puis il y a même un quatrième cours qui est donné au deuxième cycle, le fameux DES qui mène vers le CPA. Donc, le portrait, c'est quatre cours de fiscalité. Et il y a aussi des étudiants dans la classe qui sont des étudiants en finance qui, dans leur parcours, doivent faire les deux premiers cours de fiscalité qui sont les deux premiers cours qui portent sur la conformité fiscale. Et ça m'amène justement à faire la différence, juste pour que vous compreniez. Il y a deux façons, il y a deux angles d'étudier la fiscalité, d'accord? Le premier, on l'appelle la conformité fiscale versus l'autre façon d'étudier la fiscalité qu'on appelle la planification fiscale.
D'accord? Les deux premiers cours, fiscalité 1, fiscalité 2, ils sont indissociables l'un de l'autre. C'est le temps que ça prend pour faire le tour de toute l'étude portant sur la conformité fiscale. D'accord? C'est tellement, c'est comme si on avait, on a besoin de 30 semaines pour vous enseigner toutes les règles de conformité fiscale applicables autant à un individu qu'à une société, à une entreprise. Bien, un cours de 30 heures, ça ne se peut pas à l'université. Donc, on a coupé la matière en deux. On a dit, bien, le premier 15 semaines, fiscalité 1, puis le deuxième 15 semaines, fiscalité 2. C'est pour ça que fiscalité 1 et 2, il faut les voir comme un cours. Un cours qui sectionne sur 30 semaines pour faire le tour de tout l'apprentissage des règles de conformité fiscale. Alors que les troisième et quatrième cours, eux, portent sur la planification fiscale. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire dans ces mots, mon but étant pas de vous coincer, bien sûr, c'est quoi, d'après vous, la différence entre ces deux approches-là? Entre l'approche qu'on appelle la conformité fiscale versus une approche qu'on appelle la planification fiscale. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de différent dans les cours 1 et 2 versus dans les cours 3 et 4? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, mais Marie-Ève, je sais, je l'ai vu. Je t'écoute, Marie-Ève. Oui, c'est pas mal ça. Je te remercie beaucoup. Donc, je dis la même chose qu'elle, mais en d'autres mots. La conformité fiscale, c'est de connaître les règles applicables à une situation qui est passée. Donc, par rapport à une transaction qui a déjà eu lieu, c'est quoi le bon traitement fiscal qu'on doit y appliquer? Dit autrement, comment faire un rapport d'impôt correctement? Donc, quand tu fais un rapport d'impôt, quel revenu tu dois inclure dans le rapport d'impôt? Quel revenu tu n'inclus pas? Quelle dépense est déductible? Quelle dépense n'est pas déductible? C'est quoi les taux d'impôt que tu dois appliquer? C'est quoi les crédits d'impôt que tu peux appliquer dans un rapport d'impôt de particulier ou d'entreprise? Mais pour être capable de faire un rapport d'impôt qui est conforme à la loi, c'est pour ça qu'on appelle ça de la conformité fiscale, pour être capable de faire un rapport d'impôt qui est conforme à la loi, où il n'y a pas d'erreur, puis où vous faites pas vous appliquez pas des mauvais traitements, bien, ça prend deux cours d'études de conformité. Le premier va plus toucher l'impôt des particuliers, le deuxième va un peu plus toucher l'impôt des entreprises, mais c'est le même esprit. Alors que quand on passe aux cours à plus avancés qui sont en planification fiscale, Marie-Ève l'a bien dit, faire de la planification fiscale, c'est beaucoup plus difficile. C'est d'optimiser une situation. Donc là, on travaille, je disais tout à l'heure qu'on travaillait sur des faits, des transactions passées. On va maintenant travailler sur des transactions futures. On va donner des conseils. Donc, on va proposer des stratégies à des gens pour réduire leur impôt, pour reporter leur impôt, pour fractionner leur impôt. C'est l'idée de donner un conseil pour améliorer sa situation, en mots bien simples, pour réduire l'impôt. C'est ça que tout le monde cherche dans la vie, réduire ses impôts. Donc, c'est de donner des conseils. Ce n'est pas facile de donner des conseils. Quelqu'un dit, hey Nicolas, peux-tu réduire mes impôts? Oh boy, OK, par quoi je commence? C'est comme quand un artiste se fait dire, il crée succès. OK, je veux bien, là, mais c'est comme, il n'y a pas de recette qui fonctionne à coup sûr. Là. Puis vous comprenez que pour être capable de faire de la planification fiscale, il faut être très, très solide dans ses règles de conformité fiscale. Comment veux-tu proposer une transaction à quelqu'un pour réduire ses impôts si tu ne connais même pas les règles de conformité? Si tu n'es même pas solide en conformité fiscale, si tu ne sais même pas quoi mettre dans un rapport d'impôt. Fait qu'on comprend que la base, au départ, c'est de faire les cours de conformité fiscale. Vous allez devenir vraiment bon là-dedans, honnêtement. Et dans un deuxième temps, pour les étudiants qui sont dans un programme de sciences comptables, vous allez toucher à des cours de planification fiscale. Là, on n'est pas trop... où les professeurs ne sont pas trop exigeants avec vous parce qu'on ne forme pas des fiscalistes. Le but, ce n'est pas que vous soyez des super fiscalistes. Vous êtes encore des comptables, mais vous allez vous initier à la planification fiscale. Pas avec moi, avec d'autres professeurs. Moi, je donne les cours fiscalité 1 et 2. Hein, je les ai montés ensemble, ces deux cours-là. Peut-être que je vais vous enseigner le fiscalité 2 aussi. Peut-être pas, vous verrez si vous avez envie. Mais bref, moi, c'est plus là-dedans que je me suis spécialisé. Je vais vous donner un exemple. Regardez, je suis allé dans le volume. J'aurais peut-être dû vous dire le cours d'aujourd'hui va se passer comment. Là. Je vais passer une heure à vous accueillir. Là. On est pas mal là-dedans. On va passer le plan de cours ensemble aussi. Je vais expliquer la démarche pédagogique ou la stratégie pédagogique qu'on va utiliser pendant la session, qui est quand même assez avancée, mais pas compliquée. C'est juste que je vais prendre la peine de bien l'expliquer aujourd'hui, puis après ça, on va pouvoir filer avec ça pour les cours à suivre. Donc, j'en ai préparé pour une heure et quart. Après ça, on prend la pause. Puis après la pause,
je vais faire le sujet 1 avec vous de façon un peu magistrale, qui est justement un contre-exemple, dans le sens que les cours ne se passeront jamais comme ça, des cours entièrement magistrales, mais comme c'est le premier cours, ce serait un peu trop tôt là, pour mettre en action la stratégie pédagogique. Fait que, je vais passer à travers le sujet 1, qui en est un aussi très, très léger d'introduction. Fait qu'à la fin de tout à l'heure à 11h30, on devrait avoir terminé le sujet 1, puis on devrait être capable de se lancer pour de bon dans la session, compte tenu que je vous aurais bien expliqué la stratégie pédagogique. Bon, j'allais vous dire, donc là, je tire un peu partout au début, laissez-moi aller. C'est juste pour vous mettre dans le bain. Je vais vous donner de garder dans le volume. Je vais vous montrer le volume tout à l'heure. Je veux juste attirer votre attention sur une page à quelque part. J'ai tout ça que vous. Ici. Regardez. Dans mon livre, là. Je me suis dit, la meilleure façon de leur faire comprendre c'est quoi la conformité fiscale, c'est que je vais vous montrer un exemple de question d'examen. OK? Un exemple de question d'examen, j'ose, dans le sens que, tant pis, ma question sera brûlée, puis à l'examen, ça ne me dérange pas que vous la sachiez. Donc, imaginez qu'on vous pose à la question cette question-là. OK? Quelle est la couleur du plafond de la salle de classe? C'est assez simple comme question, là. Dites pas, je ne comprends pas. Une phrase. Ça, c'est la question d'examen. Quelle est la couleur du plafond de la salle de classe? Qu'est-ce que vous répondriez? Blanc? OK. Noir? Ça dépend où vous êtes assis, là, vous allez me dire. Gris? Qu'est-ce que vous me répondriez? C'est blanc, gris, noir, sali? En tout cas, je vois beaucoup de gens qui lèvent les yeux et qui regardent au plafond. Mais la réponse, elle est où, vous pensez? Elle n'est pas au plafond. La réponse est dans le texte de loi. Notre cours porte sur l'étude d'un texte de loi. Donc, à chaque question qui t'est posée, même si naturellement tu penses savoir la réponse, tu dois trouver ta réponse dans le texte de loi. Pour le vrai, je ne vous ferai pas acheter la loi, la vraie loi épaisse. Le livre qu'on utilise, c'est un résumé de la loi. Donc, quand je dis la réponse est dans la loi, ça revient à dire la réponse est dans ton livre. Mais le livre paraphrase un peu ce qui est écrit dans la loi. Donc, la réponse, là, quand on fait un cours de droit fiscal comme on le fait en ce moment, puis qu'il y a une question d'examen qui est posée, ce n'est pas ton feeling que je veux, ce n'est pas ta sensation, puis comment tu penses que c'est quoi la couleur du plafond. Je te l'ai enseigné dans le livre comment répondre à cette question-là. Donc, je m'attends que tu ailles trouver dans le livre le bon traitement à cette question-là. Donc, je vous ai reproduit un texte de loi qui porte justement là-dessus, un petit peu plus bas. Donc, ici, j'ai recopié un texte de loi qu'on retrouve à la section A, l'article 2, qui s'appelle « Couleur du plafond de la salle de classe ». Je vous le lis, c'est vraiment dans votre loi de l'impôt. Okay? Ça dit « Pour l'application de la présente loi, la couleur du plafond de la salle de classe est réputée, sous réserve du paragraphe 625, être conforme à la couleur que vous constatez en utilisant vos yeux. » Bon, là, on commence à être plus dans le droit fiscal. Hein? Un article de même, là, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Je vais le relire tranquillement, mais ça, c'est du droit. Un texte de loi, souvent, c'est un peu ardu à lire. Puis j'ai aucun plaisir à vous faire lire un texte de loi et à vous frapper à cette difficulté-là. Tout ça est très, très. Moi, mon but, c'est de vous faire un livre qui est très simplifié, qui est écrit en mots compréhensibles, ce qui est incompréhensible souvent en lisant un texte de loi. Bon, quand on est fiscaliste, on apprend à lire ces textes-là. Bon, je le relis tranquillement. Pour l'application de la présente loi, la couleur du plafond de la salle de classe est réputée, sous réserve du paragraphe 625, être conforme à la couleur que vous constatez en utilisant vos yeux. Donc, c'est ça qu'on vous dit dans le texte de loi. Qu'est-ce que vous en comprenez? Qu'est-ce que le législateur nous indique par rapport à la couleur du plafond? Oui, je t'écoute. Ton prénom? Antoine, Derek. Antoine est à côté de toi. Je t'écoute, Derek. OK. C'est comme ça que tu as interprété le texte de loi? OK. Merci, Derek. Autre interprétation? Bien, essentiellement, le législateur, il vous dit, un peu comme Derek le dit, il dit pour l'application de la présente loi. Donc, ça veut dire pour toute la loi, cette définition-là va être bonne.
La couleur du plafond de la salle de classe, je vais sauter la parenthèse pour l'instant, là, est réputée à être conforme à la couleur que vous constatez en utilisant vos yeux. Donc, le législateur te dit, quand tu veux déterminer la couleur de la salle de classe, effectivement, prends tes yeux, regarde, puis tu vas voir c'est quoi la couleur. Donc, comme vous faisiez tout à l'heure, certains ont vu blanc, gris, certains ont vu noir. Quand on devient fiscaliste et on fait une maîtrise en fiscalité, les professeurs nous disent toujours « le législateur ne parle jamais pour rien dire ». Ça veut dire qu'il n'y a jamais un mot de trop. Il n'y a jamais un mot d'écrit qui n'est pas important ou que tu peux laisser escamoter en disant « oh, je pense que je comprends pas mal l'essentiel ». Chaque mot compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici, sous réserve du paragraphe 625? Le législateur te dit cette phrase, la façon de déterminer la couleur du plafond, je viens de te la dire, utilise tes yeux, mais attention, va lire, j'ai un autre message ou j'ai une autre information pertinente pour toi au paragraphe 625. Va la lire parce que ça, tu dois aussi la considérer. Donc, je vous l'ai reproduit ici, le paragraphe 625. Présomption. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la couleur du plafond de la salle de classe est réputée, si votre cours se tient dans la journée du jeudi, être rose. Donc, le législateur vient rajouter une présomption. Une présomption, c'est une fiction. Il dit, premièrement, à tout le monde, l'article précédent, là, ça disait à tout le monde, utilise tes yeux, mais attention, va voir ce que je dis à 625. Puis quand tu vas voir l'article 625, le législateur te dit, attention, je vais faire une fiction. Si ton cours est le jeudi, le plafond de la salle de classe, il est réputé, ils ont fait semblant, qu'il est rose. Donc, la seule bonne réponse qui est payée à l'examen pour cette question-là, c'était rose. Blanc, zéro. Blanc foncé, zéro. Noir, zéro. Tous ceux qui n'ont pas répondu, zéro. Si tu ne réponds pas, tu n'as pas de points. Les seuls qui ont eu des points, c'est ceux qui ont répondu rose. Et quels étudiants ont répondu rose? Ceux qui ont utilisé leur texte de loi. Si tu lis ton texte de loi, si tu lis les articles que je mets dans tes notes de cours qui vont t'amener vers ces réponses-là, tu vas être capable d'arriver au bon traitement. Mais si tu ne lis pas les pages que j'ai écrites pour toi, si tu y vas au feeling ou à peu près, tu n'arriveras pas. Parce que tu n'aurais jamais répondu rose. Vous comprenez que si je donne un cours à des étudiants le vendredi matin, qu'est-ce qu'ils vont répondre à cette question-là? Est-ce qu'eux vont répondre rose? Non, parce que pour eux, la présomption ne s'applique pas. Leur cours n'est pas le jeudi. Donc, si la présomption ne s'applique pas, eux retombent dans la règle générale d'avant. Puis, eux, pour eux, une bonne réponse, ça serait en utilisant leurs yeux. Donc, j'accepterais blanc, blanc sale, blanc foncé, noir. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est un clin d'œil, là. C'est une blague. Là. On comprend que ce n'est pas une question d'examen, mais c'est juste pour faire tout de suite comprendre c'est quoi le but recherché dans un cours de fiscalité. Je le répète, là, ça va être bon pour les deux cours de conformité fiscale. Là. Je ne cherche pas à savoir si tu as un bon jugement, si tu as une belle originalité, si tu as une belle personnalité. Je ne cherche pas ça dans tes réponses. La seule chose que je veux vérifier, est-ce que tu lis le texte de loi et tu es capable de l'appliquer? Je vais te mettre dans des situations où tu vas devoir lire le contenu de mes notes de cours, comme dans l'exemple qu'on vient de faire là, puis tu me répondrais rose à l'examen parce que tu as suivi le bon chemin dans les articles de loi. C'est ça l'objectif. Je ne valide que ça. Dans d'autres cours, on valide d'autres choses. Ici, on valide la capacité de lire un texte de loi, là, très, très simplifié, on s'entend, là, pas des textes compliqués. OK, good pour ça. C'était pour mettre un peu la table sur c'est quoi des cours de fiscalité, qu'est-ce qui vous attend, donc les deux premiers cours sur la conformité fiscale versus les deux suivants sur la planification fiscale. À moins qu'il y ait des questions, j'attaque le plan de cours. Oui, Derek, deuxième fois en plus. Merci, Derek. Je t'écoute. Absolument. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les examens sont à livre ouvert. Donc, tu n'as absolument rien besoin d'apprendre par cœur.
si on te demande une réflexion dans des articles, dans des articles comme ça, ces articles-là sont reproduits dans tes notes de cours, tu vas pouvoir aller les consulter à l'examen. Ceci étant dit, j'encourage quand même à comprendre ce qu'on fait semaine après semaine. Puis il y a beaucoup de réponses à l'examen, même si c'est à livre ouvert, beaucoup des questions, vous allez être capable d'y répondre sans consulter vos notes, là. Parce que vous allez avoir compris, c'est quand même logique, les règles de fiscalité. Ça a l'air illogique là, de parler d'un plafond qui est rose ce matin, mais en général, les règles que je vais vous montrer sont logiques. La plupart, vous devriez les comprendre et être capable de les mettre en application sans même consulter vos notes. Pour des choses plus dures ou plus... Des gens qui ont la... Tu n'as rien à apprendre par cœur parce que tu vas toujours pouvoir te référer à ton volume, mais... Le temps d'examen fait que tu ne peux pas passer une heure et demie à consulter ton volume. Il faut que ça roule aussi. Il faut que tu sois capable de répondre à des questions assez rapidement. On en reparlera en temps et lieu. Là. Tu réponds à ta question pour l'instant? Merci de l'avoir posée. Autre chose? On va en parler de toute façon des examens parce qu'on est rendu à s'attaquer au plan de cours. Bon. En même temps, on va parler un petit peu de la stratégie pédagogique. Donc, je ne vous lis pas tout, bien sûr. Le contenu détaillé, vous l'avez ici. Donc, on a une semaine de travaux et d'études, comme tout le monde. On a un plan de travail que je vais vous montrer tout à l'heure qui est vraiment séparé par semaine. Donc, c'est vraiment le guide que vous devez suivre après à chaque semaine pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. D'accord? Les formules pédagogiques qu'on va utiliser, je ne les lis pas, mais elles sont très, très variées. Je vais vous les démontrer tout à l'heure en vous parlant de la démarche pédagogique, mais toute la démarche pédagogique que j'ai mise en place pour vous à chaque semaine, ça intègre différentes stratégies. Donc, vous allez avoir des capsules vidéo à écouter, vous allez devoir faire des lectures dans le volume avant le cours, bien sûr. À chaque semaine, vous allez devoir valider que ce travail-là est fait en complétant un questionnaire électronique, on en parlera tout à l'heure, le 10 petites questions choix multiples. Il y a un forum de discussion qui est mis à votre disposition pour poser vos questions. Moi, je vais aller vous répondre sur le forum de discussion, puis ça va profiter à tout le monde. Donc, il y a tout ça dans la stratégie pédagogique. Et il y a un petit défi K-out aussi à chaque semaine qui vous permet de gagner des points bonus. Ça récompense les étudiants, puis ça les amuse en même temps. Le matériel pédagogique... Il y en a trois, essentiellement trois matériels qu'on va utiliser. Je vous informe aussi que, comme c'est écrit dans le plan de cours, là, les professeurs de fiscalité, on est trois professeurs de fiscalité à l'UQTR, donc moi-même, Nicolas Boivin. Il y a un autre Nicolas qui s'appelle Nicolas Lemelin, qui enseigne à Longueuil, puis Marc Bachand, qui va donner essentiellement les cours de planification dont je parlais tout à l'heure. Les trois, on s'est mis ensemble, on a créé un site web et finalement, tout le matériel pédagogique qui est nécessaire dans tous les cours de fiscalité vous est offert sous forme de ressources éducatives libres. Donc, ça veut dire que c'est entièrement gratuit, entièrement numérique. Donc, vous n'avez rien à acheter, rien à imprimer. Vous allez avoir accès à tout ça. Pour aujourd'hui, pour ce cours-ci, vous avez besoin de trois choses. Je vous le montre, d'accord? Donc, ça, c'est le fameux site qu'on a mis en place. Qui s'appelle fiscalitéqta.ca. Vous voyez ici les trois profs, là. On est un petit peu plus jeunes. Lemelin à Longueuil, Marc Bachand. Là-dessus, vous allez retrouver tout le matériel pédagogique dont vous avez besoin et même plus. Qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ça? Je vais vous montrer. Donc, vous pouvez à la page principale. Tapez dans votre moteur de recherche deux mots, fiscalité. Puis le mot UQTR, vous allez tomber sur le site, pas besoin de connaître l'adresse. Sur la page principale, tout le matériel pédagogique est là. Ou, si vous préférez, il y a aussi un onglet où vous retrouvez le même matériel. Donc, il y a deux navigations possibles. Bon, j'attire votre attention sur les trois choses dont on a besoin. Je reste à la page principale, hein, vous avez vu. Trois choses dont on a besoin. Donc, premièrement, ici, le premier tome de notre volume de conformité. Donc, c'est un volume d'à peu près 400 pages qu'on va suivre page par page durant la session. Ça, c'est le tome 1. En fiscalité 2, on prendra le tome 2 et en planification, vous allez prendre les autres volumes. Donc, pour l'instant, on a eu besoin uniquement de télécharger celui-là. On clique sur l'image et vous allez avoir accès au document PDF pour ce volume-là. Je pensais que je l'avais ouvert ici, peut-être.
OK, j'étais sûr que je l'avais téléchargé, pas plus grave que ça, alors téléchargé. Donc, voilà, il est là. Donc, tu vas juste faire attention sur le fait qu'il est séparé en 8 sujets. Là. Donc, la table des matières du volume, les 8 sujets, c'est les 8 sujets qu'on va traiter un après l'autre dans le cadre du cours. Je reviens sur le matériel pédagogique. Donc, le deuxième matériel pédagogique qu'on va utiliser, ça s'appelle, dans le fond, c'est l'équivalent d'un cahier de problèmes et solutions. Donc, les professeurs qui vous vendent des volumes imprimés dans une formule plus standard vont aussi préparer des cahiers de problèmes et solutions. Donc, un cahier que vous achetez, puis qu'à la maison, vous allez faire les problèmes, puis vous corrigez vous-même. On a fait la même chose, c'est juste que c'est en format numérique. C'est gratuit, encore une fois. Ça s'appelle la BQI en fiscalité. Donc, ici, banque de questions informatisées en fiscalité. Si vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur un autre site qui est simplement l'équivalent d'un cahier de problèmes et solutions. À gauche, vous avez 4 menus qui sont correspondants aux 4 cours dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, nous, on s'en va dans le menu conformité fiscale, tome 1. Et vous allez voir les 8 mêmes sujets que dans le volume. Donc, tantôt, le volume avait 8 sujets. C'est cohérent que le site de problèmes et solutions ait 8 sujets. D'accord? Si on regarde le sujet 1 de cette semaine, bien, vous allez voir ici qu'il y a comme 3 questions et 3 solutions. Je vais vous en reparler ça tout à l'heure dans la stratégie pédagogique. Ça, c'est du travail que vous faites vous-même à la maison après le cours. C'est pas moi qui va, vous ne me remettez pas ça, je ne le corrige pas, mais c'est super important de faire ce travail-là à la maison après les cours. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, vous allez avoir besoin d'utiliser, bien sûr, la BQI en fiscalité. Troisième et dernier usage, le fameux forum de discussion qu'on a tout simplement appelé Wikifisc, on lui a donné un nom, mais c'est ni plus ni moins qu'un forum de discussion où vous êtes appelé à aller poser vos questions et je pourrai vous répondre. Vous pouvez voir, il y a déjà des questions qui ont été posées depuis hier, qui est le début de la session. À plusieurs endroits, je vous indique, j'attire votre attention là-dessus, je vous demanderai s'il vous plaît d'être discipliné puis que toutes vos questions de nature pédagogique, quand tu as des questions sur le cours, le contenu du cours, s'il te plaît, utilise le forum de discussion. D'accord? Et non, envoie-moi pas ta question par courriel. D'accord? La raison en est fort simple. En ce moment, vous êtes environ 250 étudiants qui suivaient exactement le même cours au même moment. On a un fiscalité groupe 00 ici, on a un groupe 01, on a un groupe en ligne où ils sont à peu près 150 inscrits. Donc, tout le monde, là, dans la même semaine, fait le même travail au même moment. Donc, vous avez à peu près toutes les mêmes questions. Donc, c'est sûr que si tu me poses une question par courriel, puis que moi, je passe 30 minutes à te répondre une super réponse, vraiment bien ou bien, je me force, c'est mon travail, j'aime ça, puis que je te l'envoie, qui profite de cette super réponse-là, de la super question puis de la super réponse? Un étudiant. Alors que 300 personnes pourraient en profiter. Donc, moi, je vous demande juste de faire l'effort d'aller sur la forum de discussion, poser cette question-là à cet endroit-là. Moi, je reçois automatiquement un courriel, je suis avisé et je vais aller vous répondre le plus rapidement possible. Comme ça, tout le monde va pouvoir profiter des échanges. Il y a d'autres étudiants, des fois, qui viennent répondre à ma place. C'est très riche. Ça alimente ou ça enrichit la discussion. D'accord? Tout le monde devrait aller voir un peu ce qui se passe sur le forum. Il y en a qui posent des questions. C'est très bien. D'autres étudiants ne posent pas de questions. Je ne sais pas pourquoi. Mais aiment ça aller voir ce qui a été posé, voir les réponses. C'est correct. C'est une autre façon d'utiliser le forum de discussion. Donc, tout le monde y trouve son compte. Donc, voilà, je vous demanderai, s'il vous plaît, un petit peu de discipline. De toute façon, si vous vous en souvenez pas, puis vous m'envoyez une question par courriel, je vais vous répondre très, très poliment, puis je vais vous rediriger vers le forum de discussion. Donc, merci d'avance. Donc, nos 3 matériels obligatoires, c'est ces 3 choses-là. Le volume, qui est séparé en 8 sujets. Le site de problèmes et solutions, qui est séparé de la même façon. Et le fameux forum de discussion. Le reste, on ne l'utilisera pas. Le matériel complémentaire, il y a plein de choses sur le site que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, mais on ne les utilisera pas. OK, j'attire aussi ici, comme vous pouvez voir aussi ici sur le portail de cours, j'attire votre attention sur une autre demande que je vous fais. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas utiliser votre ordinateur portable
pendant le cours. D'accord? Donc, ce que je vous demanderais, je voudrais qu'on mette une règle en place, vous et moi, qu'on, je vais vous expliquer un peu le pourquoi de la raison, là. Mais je pense qu'on peut créer, on va créer je suis persuadé qu'on va créer un climat d'apprentissage plus sain si, quand vous arrivez dans la classe, vous avez la discipline de fermer votre téléphone cellulaire. D'accord? Donc, vous le fermez, vous le rangez, je ne veux pas en voir en circulation pendant le cours. Je vais faire évidemment la même chose de mon côté. D'accord? Puis le but, c'est, je crois, justement, de créer un climat d'apprentissage plus sain. Okay? C'est bien sûr que d'avoir un téléphone à cellulaire à portée de la main, c'est une distraction, c'est probablement le pire ennemi dans votre apprentissage. Je ne veux pas avoir l'air vieux jeu en disant ça. Je ne suis pas votre parent, là, je m'en fous comment vous utilisez votre téléphone cellulaire, mais je veux comme créer un micro-climat pendant 2-3 heures dans la semaine, pas beaucoup, là, je ne vous demande pas de vous en priver pendant 3 jours, pendant 3 heures dans votre semaine où vous ne l'utilisez pas. Puis, tu sais, je ne prétends pas que mon cours est tellement intéressant que vous ne vous ennuierez pas puis que vous ne tomberez jamais dans la lune. Ce n'est pas ça ma prétention, là. Je sais, ça se peut très bien qu'à un moment donné, ça ne te tente pas de travailler. Tu as la tête ailleurs où tu trouves le cours plate. C'est bien correct. Ça a toujours été comme ça dans les salles d'université. Ça ne changera pas. Ben, sais-tu quoi? Ça ne me dérange pas. Parle avec ton collègue. Parle avec un confrère de classe. Crée une relation avec quelqu'un. Oui, mais je ne le connais pas. Ouais, apprends à le connaître, justement. Si tu ne le connais pas, présente-toi à lui. Puis... Donc, si vous souhaitez... Que ça discute un peu dans la classe, que vous vous entraidez, ça ne me dérange pas. Mais ça va être comme ça qu'on va au moins rester entre nous puis rester focus sur ce qui se passe dans la salle de classe pendant 3 heures. Donc, je vais vous le répéter à chaque début de cours, mais je vous demande donc dès maintenant, s'il vous plaît, de fermer votre téléphone cellulaire et de le ranger, de ne pas le garder à la portée de la main. D'accord? Je vous remercie d'avance de l'attention. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Dites-vous là, qu'après 1h15, il va y avoir une pause. Vous pourrez l'utiliser dans la. Vous irez à la pause, vous ferez un rush là, avec sur votre téléphone. T'sais, on s'entend, là, je pense que c'est faisable. À partir de maintenant, je considère que vous avez compris ma demande. Je n'ai pas envie de jouer à la police. Là, on est à l'université. Donc, si je vois quelqu'un avec son téléphone cellulaire, je l'interprète qu'il ne respecte pas ma demande. OK? C'est sûr que s'il y a une situation exceptionnelle, j'ai bon jugement puis je suis parlable. Là. Je ne sais pas, moi, tu attends un texto de ton boss qui va peut-être te dire si tu rentres, tu ne rentres pas, viens me le dire, je vais comprendre. Nicolas, regarde, aujourd'hui, je vais regarder le cellulaire parce que j'attends une nouvelle de mon patron où il y a quelqu'un qui est malade dans ton entourage, tu as un enfant, il y a un problème avec un enfant. Viens me le dire au début du cours, je veux juste être averti. Il n'y a aucun problème. Juste m'avertir, puis ça va être bien correct. Mais sinon, si on n'en a pas besoin, bon, on le fait. Merci d'avance, sincèrement, là, je vous remercie de porter attention à ça. OK, on revient à nos éléments d'évaluation maintenant. Alors, juste avant les éléments d'évaluation, je vous parlais du matériel pédagogique. Il y a une page, peu importe où on la trouve sur le site, là. Je vous parlais de ressources éducatives libres. C'est un choix qu'on a fait ça, il y a plus d'une dizaine d'années, contrairement à d'autres professeurs qui... je dirais, il y a des professeurs qui sont bien contents de faire des volumes, de les imprimer puis de les vendre à leurs étudiants qui sont captifs. C'est comme un marché qui est captif. L'étudiant est obligé d'acheter le volume écrit par son prof. Les professeurs encaissent des droits d'auteur en agissant ici. Ça, c'est un modèle pour lequel moi, je suis vraiment en désaccord. Ça m'écœure un peu même parce que je considère qu'un prof, c'est payé par l'État, c'est payé par les taxes et impôts de tous les contribuables. Puis quand tout ce que tu fais sur ton temps, ça devrait être pour la société et pour tes étudiants. Donc, c'est pas normal que je pense que sur un salaire de prof où tu es payé par l'État, tu fais des volumes puis tu vends, puis tu encaisses un droit d'auteur au passage. Fait que pour se sortir de ce modèle-là, on est allé plutôt vers des ressources éducatives libres, vous comprenez le principe. Donc, c'est numérique, c'est web, c'est gratuit. Ça a plein d'avantages pour vous, c'est évident, puis ça en a pour moi, parce que je dors bien, moi. Je dors bien avec ma conscience le soir, je suis content de faire ça, je sais que ça vous fait plaisir, j'ai des bons commentaires. L'inconvénient, il n'est pas gros l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'éditeur qui revise notre matériel pédagogique. D'accord? Donc, il pourrait traîner des coquilles, des fautes d'orthographe, des corrections possibles. Mais savez-vous quoi? J'ai peut-être perdu un éditeur professionnel qui s'enrichirait en vendant le livre, mais j'en ai gagné des centaines. C'est vous, mes éditeurs. Les 300 paires de yeux qui allaient lire à chaque semaine mon livre,
puis qui allait à chaque semaine aller dans la BQI en fiscalité, c'est vous, mes éditeurs. Si vous voyez des améliorations, des coquilles, des choses qui pourraient être mieux, envoyez-moi un courriel. C'est vraiment un service que vous me rendez. Là. Vous n'êtes pas agaçant, puis je ne vous dirai pas vraiment fatigant. Au contraire, je vous en supplie, jouez le rôle de l'éditeur que je n'ai pas, puis qu'on ne paye pas. D'accord? Donc, à la gang, à 300 par année, 300 paires de yeux qui passent sur le matériel pédagogique à chaque année, c'est clair, on en reçoit des dizaines et des dizaines de courriels comme ça à chaque année, parce que je fais l'appel à tous comme je le fais ce matin. À la gang, on arrive à quelque chose d'intéressant. Donc, je vous invite, si vous avez des suggestions, des corrections, quoi que ce soit qui pourrait être amélioré, vous pensez, faites-moi en part, là, je vais vous en être une grande reconnaissance. Il y a aussi une page où on vous montre comment des outils pour annoter des volumes numériques. Il y en a qui n'aiment pas trop utiliser des volumes numériques, qui disent toujours « moi j'aime ça imprimer et écrire sur ma feuille ». C'est correct, là, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais c'est sûr que si tout le monde imprime 100% du matériel pédagogique, alors, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Là. Le but, c'est aussi qu'on n'imprime pas tout. Fait que je ne fais pas de leçons, je ne juge pas les gens qui impriment le matériel pédagogique. Si vous voulez imprimer, peut-être juste doser, là, dire « j'ai-tu vraiment besoin de tout imprimer? » Peut-être vous jugerez. Puis aussi, on a mis en place une page qui vous montre des outils qui sont bien agréables à utiliser sur un ordinateur puis qui permettent d'annoter un fichier PDF. Donc, on peut aussi, des fois, avec la souris, mettre du jaune, annoter, mettre une petite note personnelle là, sur une espèce de post-it électronique. Il y a plein d'outils qui sont disponibles. On n'est pas les seuls à utiliser des PDF. Donc, voilà pour ça. Puis, je termine en vous montrant l'empreinte écologique. Je sais que vous êtes sensible à cette réalité-là. Imaginez 300 étudiants. Ça, c'est juste fiscalité 1, là. On doit être environ là, plus de 500 étudiants qui font les cours de fiscalité à chaque session. Donc, imaginez 500 étudiants par session qui n'impriment pas qu'on n'achète pas une loi de l'impôt SODP ou qui n'achèterait pas mon volume imprimé SODP. On met ça bout à bout. Hein? Ben, voyez, je ne vous le lis pas, là, mais voyez l'impact. Donc, c'est par année, c'est presque 1 million de pages qu'on évite en impression. On peut se rendre jusqu'à Ottawa. Si on met ça bout à bout, ces pages-là, c'est 81 arbres conservés, puis c'est beaucoup d'argent de plus dans la poche des étudiants. Puis si j'extrapole sur 25 ans, qui est à peu près ce qui me restait à ma carrière quand j'ai fait cette page-là, bien, vous voyez que c'est phénoménal. Donc, c'est juste pour vous montrer que vous, des fois, de façon individuelle, on dit, bon, ça ne fait pas vraiment la différence, là, je n'imprime pas, mais si chacun fait son petit bout de chemin, bien, ça amène un effet positif, puis ça amène une empreinte écologique qui est favorable, assurément. Je vous présente aussi nos réseaux sociaux. Vous allez voir sur le site ici qu'il y a des liens vers une page Facebook, un compte Twitter, puis une chaîne YouTube. Je vous en parle rapidement, là, je ne vous en reparlerai pas les autres fois. Donc, les professeurs de fiscalité, on s'est mis ensemble aussi pour alimenter une page Facebook qui s'appelle Fiscalité QTR. Là, Donc, à tous les jours, on fait une publication, d'accord? C'est pas matière au cours. Je ne vous dis pas qu'il faut suivre ça pour avoir les points au cours. C'est vraiment extra-cursus. On parle de plein de choses qu'on pense qui vous intéressent, des fois de fiscalité, mais on parle de plein d'autres choses aussi. Là. Pendant les séries, l'année passée, on parlait pas mal du Canadien. Donc, à chaque jour, il y a une publication où on n'inonde pas les étudiants. On fait une publication par jour qu'on pense intéressante pour vous. Mais ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'on se fait poser des questions. On reçoit des dizaines et des dizaines de questions en message privé de gens qui ont des questions sur leur propre fiscalité. « Ah, moi, je suis dans telle situation, je ne sais pas si je vais remettre ça sur mon rapport d'impôt. » Souvent, on prend la question et on la relaie sur la page. Donc, sur la page Facebook, souvent, vous allez voir des questions qu'on a reçues en privé. Puis là, c'est le fun parce qu'il y a 10 000 personnes qui suivent la page quand même. Donc, il y a beaucoup de monde compétent là-dedans. Donc, il y a beaucoup de monde qui propose des pistes de réponse. Les profs aussi ont contribué. Donc, à quelque part, c'est comme un service à la collectivité, une aide qu'on fait à la communauté collectivement là, en répondant à cette personne-là. Si on s'engage, ce n'est pas un service qu'on offre professionnel avec une réponse garantie à 100%, mais c'est toujours mieux que rien. Là, la personne qui pose sa question le matin puis qu'en fin de journée, elle a reçu 5, 10, 15 réponses dans les commentaires, plus un prof qui a mis son grain de sel, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Fait qu'une une belle énergie d'entraide et de collaboration qu'on voit depuis. Ça fait quasiment 10 ans que la page est active. Donc, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse.
Sinon, le compte Twitter, où on est un petit peu plus professionnel, là, on alimente le compte qui est plus suivi par des journalistes, des gens de la politique. Mais vous pouvez aller suivre le compte si ça vous intéresse. Et la chaîne YouTube, c'est simplement l'endroit où on met toutes les vidéos qu'on a conçues pour vous. Mais pas besoin d'aller sur la chaîne, vous allez être dirigé automatiquement avec le fameux plan de travail. Je voulais juste vous montrer les différents réseaux sociaux qu'on utilise. Donc, ça, c'est tout ça, là, c'était dans la section matériel pédagogique. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que ce n'est pas bien compliqué. J'en ai dit plus que moins. Hein. On comprend qu'on va travailler avec 3 volumes pour le reste du cours. OK, les éléments d'évaluation, vous les avez là. Je vous montre la première moitié de la session. Dites-vous que la deuxième moitié de la session est identique. D'accord? Il y a 3 éléments d'évaluation pour 100 points. 2 examens de 30 points chacun. Ça fait 60. 2 travaux que vous devrez faire en salle de classe et me remettre pour 10 points chacun. Donc, on est rendu à 30 plus 30, 60. 10 plus 10, 20. Donc, 80. 80. Et les 20 points restants, c'est des petites questions à choix multiples qu'il faut faire à chaque semaine qui valent 2 points chacun. Donc, comme je vous dis ici, vous avez la première moitié de la session. Examen intra, 30 points. Travail à remettre dans la semaine qui précède l'intra, 10 points. Et vos 5, ouais, vos 5 questionnaires de 2 points chacun qu'il faut faire à chaque semaine. Et c'est comme ça aussi la session suivante. Pas la session suivante, pardon, pour les semaines après le cours. Donc, c'est comme ça que vous allez aller chercher les 100 points. Les examens, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne veux pas trop en dire, on en reparlera en temps et lieu, là, mais les examens, je veux surtout vous dire que c'est en salle de classe puis ça se fait sur votre ordinateur. Donc, préparez-vous, là. Dans la semaine du 17 octobre, bien sûr, le jeudi matin, il faut venir en salle de classe. Ça ne se fait pas en ligne de la maison, l'examen. Ça se fait ici en salle de classe et c'est un examen qui est en format web. Donc, vous allez avoir un questionnaire web dans lequel vous allez donner vos éléments de réponse. Ça va être ça, votre examen. Donc, il faut venir en salle de classe avec un ordinateur. Derek demandait tout à l'heure, c'est livre ouvert, là, on en reparlera, mais vous allez donc pouvoir consulter la totalité de votre matériel pédagogique. La plupart du temps, c'est numérique, donc vous pourrez aller dans vos notes de cours, dans la BQI en fiscalité, aller dans le forum d'éducation. Vous irez bien où vous voudrez, parce que c'est livre ouvert, et ça, c'est la façon qu'on va faire les examens. Derek? Non, si tu veux du temps supplémentaire, il faut que tu fasses une demande au service adapté, puis tu vas être dans un local isolé avec un surveillant. Puis tu vas aussi faire ton examen sur le web, mais pas ici. C'est une bonne question, merci Derek. Oui, Marie-Ève? Non, c'est juste simplement un questionnaire web. Donc, assurez-vous d'avoir Chrome installé sur votre ordinateur. C'est le navigateur qui est supporté pour les outils de l'UQTR, puis ça va très bien fonctionner. Il faut que l'Internet fonctionne ce matin-là, mais ça devrait. Tu avais une question, hein, monsieur? Je vais avoir votre prénom. Je ne suis pas sûr d'avancer, hein, moi, quand je n'ai pas de masque. Maurice, oui. J'ai le droit d'avoir pas de masque seulement si je reste à l'avant. Avertissez-moi si j'oublie. Oui, c'est Google Chrome le meilleur navigateur, mais ça fonctionne, la plupart du temps, ça fonctionne bien avec d'autres navigateurs quand même, mais Chrome, l'université garantit que ça fonctionne. Good. On en reparlera, d'accord? Vraiment, je ne veux pas trop vous en dire, là, c'est clair. Les travaux, c'est toujours la semaine d'avant. Donc, la semaine 6, qui est avant l'examen, il n'y aura pas de nouvelles matières. Je ne ferai pas de prestations en classe. Je vous invite à venir en classe et là, vous allez pendant tout le 3 heures, vous allez travailler sur un problème, sur un travail que vous allez devoir me remettre qui va être corrigé pour 10 points. Et finalement, les autres, comme vous pouvez voir, à chaque semaine, il y a un questionnaire que vous devez compléter pour être sûr que vous ne prenez pas de retard. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais c'est ça l'esprit. C'est de vous forcer à avoir un bon comportement. Vous forcer à ne pas prendre de retard. Dans le fond, je veux vous aider à vous aider. Donc, la meilleure façon que tu ne prennes pas de retard, c'est que je m'assure que le dimanche soir, au plus tard, ton questionnaire est complété. C'est un questionnaire qui n'est pas très difficile. Ça fait juste valider si tu as fait ton travail de la semaine. Si tu as fait tes lectures, tu as écouté tes vidéos, tu as commencé un peu à faire des problèmes, tu vas être capable de répondre au questionnaire sans problème. Ce n'est pas du gros niveau, là. C'est juste pour être sûr que tu ne prends pas de retard. Quelqu'un qui ne le fait pas, ben, il y a 0 sur 2. Puis il prend
deux points de retard sur la moyenne du groupe. Parce que est-ce que vous savez, c'est quoi la moyenne du groupe dans les questionnaires électroniques? C'est 2/2. Tout le monde va chercher son 2/2, c'est facile. Dans le fond, je te force juste à avoir un bon comportement. Je te force à être à jour, puis je te paye en te donnant 2 points. Tout le monde va le chercher. Donc, si tu paresses, puis peut-être pour une autre raison, tu ne travailles pas sur ta fiscalité dans une semaine, puis tu ne fais pas le questionnaire, mais déjà, tu as 2 points de retard sur la moyenne du groupe. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Finalement, vous voyez que dans les éléments d'évaluation ici, il y a des points bonus dans le même esprit pour vous inciter à venir en salle de classe, pour vous inciter à faire le travail que je vous suggère en salle de classe. Je vous propose une récompense, en guillemets, à la fin de chaque cours, un défi Kahoot, vous connaissez le petit jeu Kahoot, où je pose 5 questions qui portent sur le travail de la journée. Donc, si tu as été ici, tu as été actif, tu as participé pour vrai à ce qui se passait en salle de classe, ben, tu es pas mal plus allumé et tu as pas mal plus de chances de gagner le défi Kahoot que si tu es venu ici un peu sleeper puis tu n'écoutais pas vraiment ou si tu n'es pas venu du tout, bien sûr, évidemment. Donc, c'est ça le but, c'est juste de vous récompenser pour le travail fait en classe. Donc, les 3 gagnants à chaque semaine, je vais donner 3 points bonus à les 3 gagnants du défi Kahoot. Donc, il va y avoir 10 défis Kahoot dans la session. Un étudiant peut gagner une fois, il va gagner 1 point de plus vraiment, il va avoir un vrai point de plus dans son sommaire des résultats, dans son portail de cours. Il peut gagner une deuxième fois aussi, mais 2 fois maximum. Je ne veux pas qu'un étudiant ait cherché 7 points avec ses défis Kahoot. Fait que tu peux en gagner un, tu peux en gagner 2. Si tu en gagnes 2, tu arrêtes de jouer, laisse la chance aux autres. C'est bon? Ça va commencer tout à l'heure. La note de passage du cours, 60%. C'est écrit au plan de cours. D'accord? La note de passage du cours, c'est 60%. C'est sûr. Sûr, sûr et certain. OK? Ce n'est pas 59, ce n'est pas 58, c'est 60. Je peux vous expliquer un peu rapidement. Le 60, ce n'est pas un vrai 60. Dans le fond, qu'est-ce qu'on exige de vous? C'est d'aller chercher 50% dans les éléments évalués. Je m'explique, je donne 20 points. Donc, prenez les petits questionnaires à 2 points, là, tout le monde va le chercher. Parce que le questionnaire, hein, vous pouvez le reprendre autant de fois que vous le voulez. Je vais en parler tout à l'heure. Là. Mais ton questionnaire, là, à la fin, si tu n'as pas 10 sur 10, tu peux le recommencer. Disons que tu as 8 sur 10, bof, je vais recommencer. Tu recommences. Le même questionnaire. Ah, j'ai 9 sur 10, je recommence. Tu peux le recommencer autant de fois que tu veux. Donc, tout le monde peut avoir 10 sur 10. Tout le monde peut avoir 2 sur 2 à chaque semaine. Donc, en partant, tout le monde devrait avoir 20 points. Donc, il en reste combien à aller chercher? 40 sur 80. Donc, sur les vrais éléments d'évaluation, les travaux, les examens, la barre est à peu près à 50%. Arrange-toi pour avoir 50%. Ben, je te souhaite mieux, là, mais au minimum, arrange-toi pour avoir 50% dans tes travaux et examens. Va chercher tes 20 points donnés, tu vas l'avoir ton 60. C'est pas si difficile que ça. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan de cours? On a terminé le dernier point au plan de cours, les éléments d'évaluation. Il va me rester à vous parler de la stratégie pédagogique, qui est la partie la plus agréable. C'est un peu plus réglementaire, mais il faut le faire. Pas de questions? Mais en tout cas, attendez lui, on en reparlera. Mais je suis allé vite sur certaines choses, puis c'est volontaire. Là. Comme je vous dis, ça ne donne rien d'aller dans le détail sur comment va se passer l'examen. On va se revoir à chaque semaine. On en reparlera en temps et lieu. Vous êtes tellement bombardés d'informations lors du premier cours. On va s'en tenir à ça. Good. OK. Donc, on va quitter le plan de cours. La dernière chose que je vais vous montrer, on va terminer, on va aller à la pause après, mais c'est la partie la plus importante, je crois, à mon sens, c'est la présentation du plan de travail. Donc, dans votre portail de cours, ici, à la page d'accueil, en bas, ici, là, vous avez un accès vers le fameux plan de travail. C'est un outil que vous devez suivre de semaine en semaine en détail. Tout ça, je vais prendre le temps de bien vous le montrer. Il y a beaucoup de réflexions pédagogiques. C'est mon travail de réfléchir. Là. Je ne dis pas que j'ai été génial de faire ça, mais il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de recherches derrière ça. Puis, on pense qu'on est vraiment arrivé à une stratégie pédagogique qui est bonne pour vous, qui est efficiente pour vous. Donc, tout ça, là, c'est pour vous. D'accord? Donc, je vais prendre le temps de bien vous le montrer. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur, dans le fond, une espèce de fichier Excel où vous avez vos 15 semaines de cours, semaine 1, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que vous pouvez cliquer sur les semaines. Vous avez aussi des onglets ici, semaine 1, semaine 2, qui vous permettent de vous déplacer d'une semaine à l'autre.
Donc, à chaque semaine, je vous invite à aller consulter ce document-là. Ça va vous dire exactement le travail qui est à faire. Et plus précisément, il y a toujours trois sections. En bleu ici, c'est qu'est-ce que tu dois faire avant le cours. Dans la partie verte, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant le cours. Et la partie orange, c'est ce que vous devrez faire après le cours. Et c'est la même chose, la semaine suivante, qu'est-ce qu'il faut faire avant le cours, pendant le cours et après le cours. Donc ça, c'est une stratégie pédagogique qu'on appelle la pédagogie inversée. D'accord? Elle est un petit peu expliquée ici. Je vais prendre 5 minutes, okay, pour expliquer c'est quoi la pédagogie inversée puis pourquoi ça fonctionne bien. Okay? Mais ça peut être un peu mêlant, puis tu n'es pas obligé de comprendre ça. Donc, pendant 5 minutes, si tu veux, tu peux boucher tes oreilles puis pas m'écouter. Quand ça va être fini, je vais faire des signes. Parce que honnêtement, même si tu ne comprends absolument rien de ce que j'ai voulu faire, en conclusion, tu as juste à suivre ce que je te dis de faire. Va dans le plan de travail, puis dans le avant le cours, assure-toi que tout ça est fait. Dans le pendant le cours, fais tout ça pendant le cours, puis après le cours, assure-toi que tu le fais aussi. Tu sais, fais-moi confiance, dis-toi, il y a une réflexion pédagogique derrière ça. Je ne la comprends pas, mais je pense que c'est ce qu'il fait, puis go, je le fais. Ça, c'est une option. Tu sais, vraiment, là, tu fais ce que je te dis de faire, puis tu me fais confiance. Mais je prends quand même quelques minutes pour essayer de vous expliquer. C'est quoi l'idée? Donc, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est l'idée de dire, dans un cours universitaire, il y a trois plages. Donc, un cours universitaire, ce n'est pas juste 3 heures par semaine. Un cours universitaire, c'est 9 heures par semaine. Un professeur est supposé de vous donner du travail à faire, plus ou moins encadré, pour 9 heures. C'est-à-dire 3 heures en classe et 6 heures hors classe. Historiquement, il y a des professeurs qui organisaient ça plus ou moins. Tu sais, c'était genre, avant le cours, faites vos lectures. Puis là, je ne vérifie pas trop si vous les avez fait. Puis là, en salle de classe, je donne un cours magistral pendant 3 heures en prétendant que c'est moi qui ai la connaissance puis que je vais vous la transmettre. Puis après le cours, je dis, vous devriez peut-être faire des travaux, puis je ne vérifie pas trop. Tu sais, je vous donne le profil d'un prof plus ou moins impliqué ou en tout cas qui décide de pas trop gérer ça. Et le gros défaut de ça, c'est qu'un cours magistral de 3 heures, vous n'écoutez pas. Honnêtement, c'est prouvé, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un apprenant qui peut être attentif pendant 3 heures. L'idée, surtout avec l'avenue des nouvelles technologies, c'est de dire, la première étape, là, quand on donne un cours magistral, le but, c'est de livrer les connaissances, d'enseigner pour la première fois un sujet à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire ça avant le cours? J'ai-tu vraiment besoin de tout t'expliquer en salle de classe, en magistral? Non. Donc, avec des bonnes capsules vidéo, avec un livre qui est très, je pense, très pédagogique, bien expliqué, bien vulgarisé, je vais vous demander de faire l'acquisition des connaissances avant le cours. Donc, je m'attends qu'avant le cours, ça soit fait. D'accord? Donc, je vais vous montrer les boutons tout à l'heure. Là, je vais juste vous expliquer la réflexion derrière ça. Donc, en cliquant sur les bons boutons, vous allez être amené à lire des pages du volume, le sujet 1, par exemple. Vous allez être appelé à écouter certaines capsules vidéo qui vous expliquent. C'est moi qui les ai fait. C'est l'équivalent d'un cours magistral, très, très des capsules vidéo sur un thème. Des fois, il y en a 2, 3, 4 à écouter pour faire le tour de 3, 4 thèmes un peu plus importants. C'est aussi le moment de poser des questions sur le forum de discussion. Avant le cours, si vous faites votre travail et vous avez des questions, posez-les vos questions. C'est le temps, je vais vous répondre. De sorte que quand vous arrivez pendant le cours, je n'ai plus besoin de faire de l'acquisition des connaissances. Et faites. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus riche avec vous. Je vais faire des mises en application. Ça, c'est la partie la plus plaisante. C'est la partie qui est la plus fun à faire puis c'est la partie qui est la plus riche. Donc, l'idéal, c'est de la faire en salle de classe. Mais pour pouvoir faire ça, il faut libérer. Il faut que l'enseignement magistral ait été déjà fait avant le cours. Donc, moi, je vous accueille au cours le jeudi matin. Là. On va faire, après 15 minutes, on va commencer un cas. Parce que je m'attends que les lectures soient faites, que les capsules vidéo soient écoutées, puis si tu avais des questions, tu les as posées. Donc, tu arrives en salle de classe, je m'attends que tu sais très bien sur quoi va porter le cours. Puis sans dire que tu maîtrises le sujet, tu as déjà fait ce que tu avais à faire. Le cours, là, après 15 minutes, je vais tout de suite vous donner un travail à faire. Puis, je vais vous aider à faire le travail pendant le cours. Donc, on va faire des cas, des mises en situation. C'est la meilleure façon pour apprendre une matière. D'accord? Donc, c'est un cas qu'on va décortiquer au complet. On va le solutionner ensemble avant la fin du cours. C'est un cas qui va vous servir là, vraiment de matière première pour bien apprendre la matière.
comprenez que si vous n'avez pas fait le hors classe, sérieux, là, ne donne pas grand-chose venir en salle de classe. Parce que vous ne serez pas capable de faire le cas. Puis je ne répète pas en magistral ce qui a été entendu hors classe. Ça a été entendu hors classe. Moi, je vous prends comme si vous étiez prêt. Fait que juste gardez ça en tête, que c'est un cours qui est comme ça. Qu'il faut, vous allez vraiment perdre l'espèce de c'est riche qu'est-ce qui va se passer en salle de classe. Puis vous allez perdre ça si vous n'arrivez pas prêt. Il ne faut pas dire qu'il faut travailler. Ça peut être une heure, des fois, là, hors classe, avant un cours. Ça peut être un trois heures, une heure et demie. Mais c'est un minimum pour être capable de produire en salle de classe. Et la dernière partie dans la stratégie pédagogique, c'est la consolidation. Il faut répéter. Faire un problème une fois, ce n'est pas assez. La semaine prochaine, là, quand on va faire un problème sur l'assujettissement dans la salle de classe, le hors classe va avoir été fait la semaine prochaine. Hein. Quand on va se quitter tantôt, vous allez savoir qu'il faut faire du avant le cours pour la semaine 2. Quand vous allez arriver jeudi prochain dans la semaine 2, un petit 10 minutes pour juste rappeler les grands thèmes, puis je vous fais un cas. Ce cas-là, on va le résoudre au complet. Vous allez sortir du cours, là, vous allez dire « Oh yes, je comprends l'assujettissement. » Ben non. Pour comprendre l'assujettissement, il faut en faire plus qu'un cas. Moi, j'en fais le premier, je le fais avec toi, je l'explique de façon très… Je suis là, je suis à côté de toi, je vais tout faire pour t'aider, mais un, c'est pas assez. Il faut que tu en répètes. Il faut que tu en refasses un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Ça, c'est ton travail après le cours. Donc, consolider les connaissances, c'est répéter. Donc, tu vas aller dans la BQI en fiscalité, faire les problèmes qui sont sur l'assujettissement à répétition. Tu vas voir que quand le prof n'est pas à côté de toi, des fois, c'est moins facile. Tu vas voir que l'information, jusqu'à ce soit fournie autrement, hop, ça t'a mêlé. Mais c'est correct. Tu vas apprendre en répétant ces cas-là. Ce que tu vas apprendre en faisant ces cas-là c'est des erreurs que tu ne feras pas à l'examen. En arrivant à l'examen, tu vas être prêt. Tu vas avoir fait avant le cours, tu vas avoir fait le cas pendant le cours, tu vas avoir fait les deux, trois cas après le cours. Tu vas avoir tout vu. Là, à l'examen, ça va bien aller. D'accord? Donc, c'est important aussi d'aller répéter les fameux après le cours. Je ne pose même pas s'il y a des... Je dis même pas, y a-t-il des questions sur... Est-ce que je comprends les bienfaits de la pédagogie inversée? Je ne la pose pas, la question. Donc, on va aller voir concrètement comment ça se passe. Je suis dans la semaine 2, ça. C'est la semaine prochaine. Volontairement, je suis dans la semaine 2. Donc, la semaine prochaine, avant le cours, il y a une vidéo introductive à écouter. Il faut lire certaines pages dans le volume, écouter certaines capsules vidéo et, au besoin, poser des questions sur Wikifisc. Vous cliquez sur les petits boutons qui sont là et vous allez arriver à une page intermédiaire qui est ici, qui va vous donner plus précisément, semaine 2, là, vous allez arriver à la semaine 2. Donc, c'est séparé de la même façon, mais c'est là que vous allez retrouver tout le contenu. Donc, une petite vidéo ici qu'on écoute. Donc, vous comprenez qu'on est dans la semaine 2, hein? C'est la semaine prochaine. Donc, ici, vous cliquez, il y a une petite vidéo à écouter. Ensuite de ça, les lectures. La semaine prochaine, il va falloir lire le tome 1, sujet 2 au complet. Fait qu'il fait ça avant le cours. Des capsules vidéo à écouter, il y en a 4 ici. Personne assujettie à l'impôt, résidence pour un particulier, résidence pour une société, le concept de personne liée. Ces vidéos-là, il faut se coûter avant le cours, la semaine prochaine. Les cours vont être enregistrés. Donc, c'est pour ça que j'ai un micro en ce moment. Donc, chaque séance de cours est enregistrée. Donc, ma voix est enregistrée et l'écran est enregistré. Donc, l'enregistrement au cours, je vais vous montrer ici, là. Pendant le cours ici, là, participer ici, oui. Donc, après le cours ici, je vais vous mettre un lien Zoom, d'accord, qui est l'enregistrement du cours d'aujourd'hui. Ça peut être utile, ça, d'avoir accès à un enregistrement de cours. Ça peut, je ne sais pas moi, tu manques un cours parce que tu dois aller chez le médecin, bien, au lieu de dire à ton ami, hey, prends des notes pour moi, bien, tu le réécouteras le cours. C'est une belle façon de pallier au fait que tu ne pouvais pas être là. Il y a une notion que tu as moins bien compris, tu n'as pas trop osé me poser la question. Tu peux, tu aurais pu m'arrêter puis me poser la question, mais tu n'oses pas. Tu dois aller réécouter la vidéo. Puis, tu me réécoutes comment j'ai expliqué ça. Tu sais, la fameuse semaine 2 qui va être très active où je vais faire le cas avec vous, je vais donner des pistes de solutions, je vais montrer des théories, je vais faire plein de liens. Tout ça est enregistré, donc c'est riche de pouvoir écouter ça. Mais je ne pense pas, par exemple, que je veux mettre un avertissement important. Je ne pense pas que vous devriez dire, bien, je n'assisterai pas au cours. Alors, si le cours est enregistré, il va rester couché jeudi matin, puis à la place, je vais écouter l'enregistrement. Je ne pense pas que vous devriez faire ça, parce que
c'est pas réaliste, c'est pas aussi riche que participer à ce qui se passe en classe. Il y a beaucoup de parties qui ne sont pas enregistrées en classe. Je vais te répondre à tes questions, je vais aider un étudiant. Il y a une dynamique en salle de classe, j'encourage fortement à y participer. Mais au besoin, ça peut être utile d'avoir accès à cet enregistrement-là. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. D'autres petits avertissements. S'il y a des étudiants, je ne prétends pas que c'est le cas, là, mais s'il y a des étudiants qui se rendent compte que ça ne leur tente pas de venir en salle de classe, pour une raison X, Y, Z, là, la formule pédagogique de devoir venir à tous les jeudis matins, à 9h, à 8h30, ça m'écœure. Sachez que le même cours que je donne là, il y a un groupe aussi qu'on appelle W3, qui est un groupe en ligne. Donc, le Fiscalité 1, il se donne aussi à un groupe qui font le cours en ligne. Donc, qui font tout le même apprentissage que vous, à leur rythme, à chaque semaine, mais qui n'ont pas l'obligation de venir en salle de classe. Donc, si vraiment ça ne te tente pas de venir en salle de classe, moi, je te conseille de désinscrire du groupe 00 dans lequel tu es inscrit, puis aller t'inscrire au groupe W3. Comme ça, tu vas être avec du monde qui ne vont pas en salle de classe. Plutôt que rester inscrit dans le 00, tout le monde vient en salle de classe, tout le monde s'améliore parce qu'ils participent aux activités pédagogiques en classe, puis toi, tu n'y participes pas. C'est sûr que là, tu ne t'aides pas. Tu prends vraiment tu risques de prendre un retard important par rapport à tes collègues de classe, parce qu'on va se le dire, là, vous faites la même chose, vous faites exactement la même chose qu'un étudiant qui fait le cours en ligne, plus 3 heures en classe. Et là, c'est gros ce qui se passe en classe. Ce n'est pas négligeable. Toute la richesse, je pense, d'un groupe 00, c'est le 3 heures en classe, que malheureusement, les étudiants en ligne ne peuvent pas profiter de par leur choix, là, puis ils ont leur raison. OK, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc, pendant le cours, je reviens sur la matière parfois, rapidement. Très rapidement, on fait un problème. Je vais vous laisser le temps de le travailler. Je vais aller répondre à vos questions. Je vais vous aider. On va le corriger ensemble. On va retourner faire des liens avec la matière. Comme ça, à la fin du cours, là, vous devriez dire, OK, je pense que je comprends pas mal le fameux concept de l'assujettissement. Il y aura un petit défi chaos en fin de journée, comme je vous ai dit. Les questions sont multiples, j'en parle juste après. Puis, vous pouvez toujours poser des questions sur Wikifisc. Après le cours, il y a aussi des capsules, des enregistrements de cours ici. Il y en a plusieurs enregistrements de cours. Le but, ce n'est pas de vous mêler, c'est d'en mettre plus que moins. Je disais ici que je vais mettre l'enregistrement d'aujourd'hui. Effectivement, il va être là. Tout ce que j'ai dit, là, vous allez l'entendre tantôt. Là, c'est vrai, il avait dit ça en classe. J'ai aussi des vieux enregistrements qui datent de 1 ou 2 sessions que j'ai mis ici. Donc, le cours 2, à l'époque, il a déjà été enseigné de façon magistrale, où j'expliquais en salle de classe, ça fait quelques sessions, plus que quelques sessions, avant la COVID, bien sûr, où j'expliquais des concepts du sujet 2. Donc, il y a aussi des capsules vidéo, des enregistrements de cours qui datent de cette époque-là, qui sont aussi pertinents. Je ne vais pas vous alourdir, là. Moi, je ne vous conseille pas de les écouter, les capsules vidéo, aucune. Si vous n'en sentez pas le besoin, si vous venez en classe, si ça va bien, c'est correct. C'est vraiment pour aider des gens qui ne viennent pas ou qui comprennent moins bien ou qui ont besoin d'une répétition. Ça n'aurait aucun sens que tu viennes 3 heures en classe et qu'après, tu écoutes un enregistrement pendant 3 heures. T'sais, à un moment donné, c'est dédoublé. C'est au besoin. C'est bien correct de jamais consulter les enregistrements. La majorité des étudiants le font. Mais il y en a. Bien sûr, après le cours, il va falloir aller faire les problèmes de la BQI en fiscalité. Donc, quand vous allez arriver sur la page... ici, on est toujours dans la semaine 2, hein? Je vous rappelle. La semaine prochaine, après le cours, on vous dit ici, il faut que tu sois dans la BQI en fiscalité. D'accord? Tu cliques ici et tu fais les questions 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4. Donc, si je clique ici, je vais vous le montrer où on arrive. On arrive exactement dans le sujet 2 de la BQI et on te dit que tu dois faire les questions 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4. Donc, après le cours, tu dois faire de la répétition. De la consolidation. Il faut le répéter. C'est tentant de ne pas répéter. Vous allez vraiment avoir le feeling après le cours que c'est compris. Et croyez-moi, faites-en juste un que vous allez comprendre que ce n'est pas difficile de juste donner une information de façon différente, vous faire bloquer un endroit. Ce n'est pas méchant, c'est formateur. Puis quand vous allez vraiment vous avoir fait ces 4 problèmes-là, puis que vous allez vous être débloqué en me posant des questions au besoin, là, vous allez être prêt pour l'examen. Là, vous allez vraiment être prêt pour l'examen.
La dernière chose qui me reste à vous parler, c'est le fameux questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure ici. Donc, pour vous forcer à ne pas prendre de retard, comme je disais tout à l'heure, pour vous aider à vous aider, vous avez ici un questionnaire à chaque semaine, un questionnaire de 10 questions. Vous pouvez le faire n'importe quand dans la semaine. OK? La date limite de remise, c'est toujours le dimanche soir. Donc ton questionnaire ici de la semaine 2, là, tu peux le faire n'importe quand. Tu peux le faire avant le cours. Tu peux le faire pendant le cours si ça t'intéresse. Tu peux le faire après le cours. Tu as jusqu'au dimanche soir pour le compléter. Donc là, on est jeudi en ce moment. Quand on sera dans la semaine 2, là, notre cours du jeudi, tu as 3 jours après le cours, là, dimanche soir qui suit le cours du jeudi, pour terminer ton questionnaire. Comme je vous disais, il y a ces 10 questions. Quand tu arrives à la fin de tes 10 questions, tu as ton résultat. Disons 7 sur 10. Tu as le choix. Tu gardes 7 sur 10, si tu veux. Si tu ne fais rien, tu vas avoir 7 sur 10. Mais tu as un bouton qui est « Reprendre mon questionnaire ». Avant de cliquer sur le bouton, quand on te donne ton résultat de 7 sur 10, on te dit même les 7 questions que tu as réussies et les 3 que tu n'as pas réussies, c'est lesquelles. Fait que je te le dis, là, la 3, la 6 et la 9, tu les as ratées. Puis je te dis même quoi aller reviser. Sujet 3, tu l'as raté, va voir telle page du volume. Sujet 7, question 7, tu l'as raté, va voir telle page du volume. Question 9, tu l'as raté, va voir telle page du volume. Je te dis ça. Donc, tu restes à 7 sur 10 ou tu recommences? Tu recommences. Fait que tu passes sur recommencer. C'est les 10 mêmes questions. Normalement, les 7 que tu avais eues, tu les as encore bonnes. Et normalement, tu devrais aller reviser ce que je t'ai dit d'aller reviser. Comprenez comment ça, c'est un bon comportement? On ne peut pas demander mieux qu'un étudiant qui va reviser ses faiblesses. Là, vous allez reviser vos 3 faiblesses. Vous avez 9 sur 10. Vous avez encore raté la 9. Voyons, tu retournes-les encore. Là, tu dis, je recommence. Tu vas avoir 9. Puis là, tu vas les reviser comme il faut, poser des questions. OK, c'est ça, j'ai raté. 10 sur 10. Donc, tout le monde peut avoir 10 sur 10 parce que vous pouvez le reprendre autant de fois que vous le voulez. C'est pour ça que la moyenne est de 2 sur 2. Tout le monde va chercher ses 2 points parce que c'est le fun à faire. Ça valide que tu as fait ton travail de la semaine. Ça valide que le hors-classe a été bien fait. Puis, c'est un 2 points facile à aller chercher. Donc, vous comprenez. Il y a une seule exception, c'est le quiz, c'est le questionnaire de 7 semaines. Je suis allé dans la semaine 1. Semaine 1, c'est 7 semaines. Cette semaine, on va traiter du sujet 1 tout à l'heure après la pause. D'accord? Donc, il va y avoir un questionnaire électronique sur la semaine 1 à faire 7 semaines. Donc, si j'applique la même logique, ce questionnaire-là de 7 semaines serait à remettre dans 3 jours. Vrai ou faux? Faux. C'est trop proche. Exceptionnellement, le premier questionnaire, je vous donne 7 jours de plus. Donc, le premier questionnaire de cette semaine, il n'est pas à remettre dimanche dans 3 jours, là, ça bouscule trop. Lui, exceptionnellement, va être à remettre à la fin le dimanche de la semaine 2. Donc, si je retourne dans la semaine 2, vous comprenez que je suis retourné dans la semaine 2, c'est la semaine prochaine. Le dimanche soir, c'est la date limite extensionnée du questionnaire de la semaine 1. C'est aussi la date limite normale du questionnaire de la semaine 2, le dimanche soir de la semaine 2. Et ainsi de suite. Ensuite de ça, chaque dimanche soir, vous devrez vous assurer d'avoir complété le questionnaire. Est-ce qu'il y a des questions sur la stratégie pédagogique? Sérieux, là, je ne voudrais pas vous... Tu sais, je ne voudrais pas là, que quelqu'un, là, après 3 semaines, n'ait pas été capable de les boutons ne marchent pas, puis il ne me pose pas la question, puis pendant 3 semaines, il ne fait rien. Testez-le. Si ça ne marche pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Là, mais en cliquant sur les boutons, vous êtes supposé arriver à une page intermédiaire, qui est dans le fond le site web du cours en ligne. Puis vous avez là tout le travail à faire, qui est le même que les étudiants qui font le cours en ligne. Tout le travail à faire avant, pendant, puis après le cours. Si ça ne marche pas, dites-le moi, là, je pourrais vous guider. Pas de questions? Parle-moi de ça. J'ai presque fini, 2-3 quelques minutes. J'ai beaucoup parlé. La stratégie pédagogique, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de couleurs. Du bleu, du vert, il y a beaucoup de boutons. Il y a du avant, du pendant, du après. Dans tout ça, là, il y a une partie qui est beaucoup, beaucoup plus importante que les autres. Le secret du succès du cours,
repose sur un de ces boutons-là et un seul. Un étudiant qui viendrait me dire, moi, Nicolas, je n'ai pas le temps de faire tout ça. C'est bien beau ton histoire là, de pédagogie inversée. Là. Moi, je travaille à temps plein, j'ai 3 enfants, je suis monoparental. J'ai 1 heure à donner à ton cours de fiscalité. Qu'est-ce que je devrais faire? Un seul bouton. 80 % de votre temps, 80 % de votre énergie, 80 % de votre bonheur, peu importe, là, devrait être mis sur ce bouton-là. C'est quoi vous pensez? Non. Merci pour la réponse. C'est les problèmes de la BQ en fiscalité. Tout se passe là. Ceux qui vont bien réussir le cours, c'est ceux qui vont avoir mis beaucoup d'énergie dans les problèmes de la BQ en fiscalité. Ceux qui vont moins bien réussir le cours, c'est ils vont avoir escamoté ça un petit peu. Mais ce n'est pas facile. C'est pas mal plus le fun de surfer sur les autres boutons. Hey, c'est-tu le fun de faire des lectures dans un livre avec plein d'images? C'est sûr que c'est le fun, ça ne te confronte pas à beaucoup de difficultés. Là. Hey, c'est-tu le fun d'écouter des vidéos? Moi, j'aime ça, je fais ça en faisant manger. C'est sûr que c'est le fun. Hey, c'est-tu le fun, les questionnaires? J'ai eu 10 sur 10 à chaque semaine. C'est sûr, tout le monde a 10 sur 10. Ils sont faciles, les questions. Ce n'est pas des questions d'examen, ceux-là, là, le petit questionnaire électronique, c'est juste voir si tu as fait ton travail. Mais c'est confortable. C'est le fun d'être dans ces étapes-là parce que tu n'es pas confronté à tes difficultés. Mais les questions d'examen, ils vont être ceux qui vont bien réussir les questions d'examen, c'est ceux qui vont avoir rushé sur les problèmes de la BQ en fiscalité. Ils ne sont pas faciles, là. C'est pour ceux qui sont à la dernière étape. Ils sont après avoir fait ton hors-classe, après être venu en classe, après le cas qu'on a fait ensemble, tu as compris des choses, là, tu devrais être apte à aller travailler. Mais c'est dur. C'est dur parfois, là. Donc, je répète, 80 % de ton temps devrait être mis là-dedans. Si tu manques de temps, fais rien. Fais rien d'autre. Lis pas, regarde pas les vidéos, fais le petit questionnaire pour aller chercher les 2 points, puis va-t'en là. Mets ton temps là. Parce qu'il y en a qui arrivent essoufflés, qui mettent trop de temps sur les autres, qui arrivent essoufflés ici, puis ils n'en mettent pas de temps. Gardez-vous beaucoup d'énergie pour cette section-là. Très important comme avertissement. OK. Dernière chose, j'allais vous montrer des semaines un peu différentes, mais très vite, parce qu'on va y revenir. La semaine 6, vous savez qu'à deux moments, il y a un travail à faire. Donc, je m'en vais dans la semaine 6. Donc, dans la semaine 6, il n'y a pas de matière. Je vous invite à venir en salle de classe. Vous allez avoir un travail à faire, une mise en application qui est semblable à celle qu'on fait à chaque semaine. La différence, c'est que je ne vous aiderai pas à la faire. Vous allez la faire par vous-même, vous allez me la remettre et vous allez être corrigé et vous allez pouvoir aller chercher 10 points pour cette mise en application-là. Donc, l'objectif pédagogique est le même. C'est une mise en application aussi importante que les autres. C'est juste que celle-là, je la ramasse puis je la corrige. Mais elle a le même rôle pédagogique que toutes les autres mises en application qu'on fait à chaque semaine. Les autres, je ne les ramasse pas puis je ne les corrige pas. J'en ramasse 2. Semaine 6 puis semaine 14. Et la semaine 7, qui est l'examen, on en reparlera. Donc, l'examen, vous devez obligatoirement venir en salle de classe. D'accord? Je vais vous surveiller avec votre ordinateur et vous allez faire un examen en format web. Tous les détails sont écrits dans le contenu de la semaine 7. Inutile de regarder ça maintenant. Oui, Marie-Ève? Ouais, l'examen va durer 2h30, de 8h30 à 11h. Bon, je pense que j'ai fini pour vrai. Alors, écoutez, j'ai dit beaucoup de choses. Je suis enregistré, donc au besoin, retournez écouter l'enregistrement. Ça va mieux à faire qu'aller me réécouter, vous compter tout ça. Si vous avez des questions sans blague, venez me voir. Je pourrais vous répéter ces choses-là. Donc, écoutez, j'espère que vous allez aimer ça. Je vous laisse aller à la pause, une 15aine de minutes. Donc, on se donne rendez-vous, s'il vous plaît, vers 10h05. Puis, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Là, on va s'intéresser au sujet 1. Qu'on va passer au complet tout à l'heure, ensemble. OK, alors on va reprendre tranquillement le cours. Comme je vous ai dit, exceptionnellement cette semaine, je vais faire le sujet 1 dans l'heure qui va suivre de façon très magistrale, qui est justement un contre-exemple. C'est exactement comme ça que ça ne se passera pas.
dans les semaines de cours. Je ne ferai jamais une présentation d'un sujet de façon magistrale. Je pense que je l'ai assez bien expliqué tout à l'heure. Mais pour le sujet 1, ce n'est pas bien grave. Là, honnêtement, il est très simple. C'est juste la mise en contexte. Je ne vois pas de toute façon comment on aurait pu animer un cas ou une mise en application là, cette semaine. Donc, voilà pour ça. Donc, comme tout à l'heure, s'il vous plaît, je vous demanderai de fermer votre téléphone cellulaire et de le ranger. Je vous remercie d'avance de porter attention à ma demande. Alors, comme vous pouvez voir, ça, c'est notre fameuse semaine 1. Donc, on est dedans, là. Ici, c'est le avant le cours. Bien, vous comprenez que vous ne l'avez pas fait. Personne n'a fait le avant le cours de ce cours-ci, j'imagine. Ce n'est pas grave. Faites-le pas, là, avec tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être suffisant. Donc, si on regarde la partie verte pendant le cours, il faut passer à travers le sujet 1 au complet. On aura un petit défi caoutchouc à la fin de la journée tout à l'heure, comme à la fin de chacun des cours pour vous récompenser de votre présence. Les questionnaires, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant le cours. Puis en plus, vous avez une semaine de plus. Donc, vous avez jusqu'au 19 septembre pour le premier questionnaire. Donc, et assurément qu'après le cours, il va falloir aller dans les problèmes de la BQI en fiscalité, sujet 1, puis aller répéter, aller voir un peu les problèmes qui portent sur le sujet de cette semaine. Mais ils ne sont pas compliqués, je vous l'accorde. Ça commence quand même tranquillement. Donc, si je prends, donc je suis dans notre volume en ce moment. Le fameux volume que vous avez, le tome 1. Donc, on va aller tout de suite repérer notre sujet 1. Ici. Donc, qui est un sujet de mise en contexte. Donc, je juste sous le but du sujet 1, je prends une heure pour le faire, là. C'est juste de mettre en contexte, de comprendre pourquoi dans notre monde, dans notre univers, il y a de l'impôt sur le revenu. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on va faire dans notre cours. On va étudier les règles qui s'appliquent, les règles de la loi de l'impôt sur le revenu, la loi qui oblige chaque personne qui gagne un revenu à devoir en donner une partie à l'État. Pourquoi ça existe? Depuis quand ça existe? C'est quoi son rôle? C'est un mal-aimé, hein, l'impôt sur le revenu. Il y a bien du monde qui chiale contre ça. On est bien trop imposé, mais bon. On peut bien chialer, mais il y a aussi des fondements. Donc, on va un petit peu s'intéresser à ça. Donc, vous avez comme au premier point l'historique, donc les dates depuis, ça fait très longtemps que ça existe, l'impôt sur le revenu. Ça a pas mal pris naissance au moment de la guerre. Là. C'était pour financer les... Financer les guerres à l'époque. OK. Il existe différents types d'impositions. C'est important que vous le sachiez. Nous, on va s'intéresser à l'impôt sur le revenu, mais il n'y a pas seulement l'impôt sur le revenu. Hein. Les contribuables québécois, canadiens, on paye des impôts à différents endroits. Donc, je vous les rappelle. Donc, dans notre système juridique au Québec et au Canada, quand on gagne un revenu, il faut payer un impôt dessus. Donc, si tu vas travailler à un moment donné et ton employeur te dit « je vais te payer 200$ par jour », à la fin de la journée, il ne te donnera pas 200$ parce qu'une partie du 200$, il va le prendre et va l'envoyer en impôt. Donc, sur ton revenu, il faut payer de l'impôt. Un autre geste qui est imposé, c'est la consommation. Le fait de consommer, acheter des biens et services, c'est taxable. Donc, il existe dans notre société, dans notre régime juridique, des taxes à la consommation, la fameuse TPS et TVQ. Donc, quand tu vas au Subway, tu achètes un sous-marin, c'est marqué 9$ sur le menu, tu ne payeras pas 9$. Tu vas payer 11 et quelque chose. Parce que le fait d'acheter un bien, d'acheter un sous-marin, c'est une transaction qui est taxable sur laquelle la TPS et la TVQ s'appliquent. Donc, tu vas encore payer de l'impôt. Je te rappelle, là, dans ta journée, tu payes de l'impôt sur ton revenu. Le midi, tu vas t'acheter un sous-marin, tu payes une taxe à la consommation sur ton sous-marin. Autre type d'imposition, l'impôt sur la propriété. Donc, quand on est propriétaire d'une résidence, le fait d'être propriétaire de notre résidence, c'est imposable. Donc, la valeur de notre résidence va être imposée. Donc, le soir, tu rentres chez vous après ta journée de travail, hein, tu as été imposé sur ton revenu, tu as été imposé sur l'achat de ton sous-marin. Tu rentres le soir, tu assires les deux pieds devant la télévision sur ta maison que tu as achetée et tu reçois ton compte de taxe qui te rappelle que la valeur de ta maison, tu vas devoir payer un impôt dessus. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur la propriété. L'impôt, la tarification des services publics aussi, indirectement, c'est un impôt et taxe. Donc, c'est un peu plus indirect. Mais à quelque part, le gouvernement, quand il a le monopole d'un service, bien, les tarifs qu'il va vous charger
Ni plus ni moins, c'est un impôt déguisé. Prenez l'exemple d'Hydro-Québec, où tout le monde est obligatoire. On est obligé d'acheter notre électricité chez Hydro-Québec. Hydro-Québec appartient au gouvernement du Québec. Donc, si on augmente les tarifs d'électricité, ça a à peu près le même résultat que si on augmentait mon impôt sur le revenu ou ma taxe sur la consommation. C'est de l'argent en bout de ligne que je vais envoyer au gouvernement du Québec. Donc, si le gouvernement du Québec veut récolter un peu plus d'argent, libre à lui d'augmenter l'impôt sur le revenu du Québec, libre à lui d'augmenter la TVQ, qui est la taxe de vente du Québec, ou les tarifs d'Hydro-Québec, ça va arriver au même résultat. Et finalement, autre type d'imposition que vous connaissez moins, le payer un salaire, c'est un geste imposable. Donc, quand vous êtes une entreprise et que vous payez des salaires à des employés, c'est un geste taxable. Donc, si une entreprise, dans une journée, doit payer 200 $ en salaire à un employé, il va sortir à peu près 225 du compte de banque de l'entreprise. Donc, l'entreprise va donner 200 $ en salaire à l'employé, mais l'entreprise va devoir aussi payer ce qu'on appelle des charges sociales. Donc, on va devoir payer des montants au gouvernement, entre autres des contributions à l'assurance-emploi, Régie des rentes du Québec, la Commission des normes et de la santé et sécurité au travail. Donc, l'employeur est tenu d'envoyer de l'argent au gouvernement en plus des salaires qu'il paye à ses employés. Ça, on le voit moins parce qu'on est souvent, nous, on est l'employé. Moi, je ne le vois pas, mon employeur qui fait ça à chaque fois qu'il me verse un salaire, mais il le fait. Donc, vous comprenez, le portrait, il est assez. Il y a beaucoup d'impôts et taxes. Hein. L'impôt sur le revenu, ce n'est pas le seul. Et je vous rappelle aussi qu'il y a trois entités, trois gouvernements qui ont le pouvoir de vous imposer. Votre pays, le Canada, a le pouvoir de vous imposer. Votre province a le pouvoir de vous imposer et votre municipalité où vous habitez. Et chacun a des champs de taxation qui lui est propre. Donc, ce n'est pas tous les paliers qui peuvent imposer, appliquer les cinq types d'impôts qui sont là. Le fédéral a le droit d'imposer le revenu, la consommation et la masse salariale. Même chose pour la province du Québec. La province peut imposer le revenu. On paye un impôt sur le revenu au Québec. La TVQ en matière de taxes à la consommation et aussi, il y a de l'impôt sur les masses salariales. Et les villes ont l'exclusivité de l'impôt sur la propriété. Donc, de payer de l'impôt sur la valeur de sa maison, c'est seulement les villes qui ont le droit de charger ça. C'est le principal moyen de financement d'une ville. Les villes, là, leur budget, tous les revenus, c'est les citoyens qui payent des impôts fonciers sur la valeur de leur maison. Et cet argent-là sert ensuite pour payer les besoins des citoyens. Donc, si on met ça dans un tableau ici, fédéral, provincial, municipal, tous les types d'impositions. Votre cours, vos quatre cours de fiscalité portent uniquement sur ce qui est encerclé en vert. Donc, pendant quatre cours, on ne s'intéresse qu'à l'impôt sur le revenu fédéral et rien d'autre. Et on pourrait même pourrait faire une maîtrise en fiscalité seulement sur cette loi-là, tellement il y a du stock à dire. Donc, tu sais, juste faire attention quand vous allez rentrer ce soir en disant à votre... Voilà, je dis ça à la blague, là, vous allez dire à vos parents, sais-tu quoi, je vais apprendre tous les impôts et taxes dans mon cours. Mais non. Soyons modestes, il y a un immense paysage de juridique où il y a beaucoup, beaucoup d'impôts et de taxes de toutes sortes, et nous, on va voir qu'un fragment de ça. Mais c'est un fragment qui est important. L'impôt sur le revenu fédéral, c'est la loi la plus dure, la plus compliquée. Puis, voilà, c'est sur cela qu'on va s'intéresser. Pardon. Maintenant, c'est quoi l'objectif de l'impôt sur le revenu? Donc, pourquoi, donc spécifiquement l'impôt sur le revenu là, dont je vous parlais tout à l'heure ici, là, on est-tu obligé d'avoir un impôt sur le revenu? À quoi ça sert? On ne serait pas mieux de vivre dans un monde où il n'y a pas d'impôt sur le revenu? Si on vivait dans un monde où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mon employeur dit « je te donne 200 $ dans la journée, c'est ça ton salaire, il me donnerait 200 $, je n'aurais aucun montant à envoyer au gouvernement. T'sais, j'ai l'impression que j'en aurais plus, je serais plus riche, je pourrais m'acheter plus de choses. » Donc, ça peut être facile de penser ça. Mais en réalité, les rôles joués par l'impôt sur le revenu, le principal rôle, tout le monde le comprend, c'est pour payer les services publics. Donc, vous comprenez que le gouvernement qui récolte cet impôt-là, le gouvernement, ce n'est pas une entité bien, bien compliquée, hein, c'est nos élus. On a nommé des gens parmi nous dans la population pour nous représenter, puis on leur envoie l'argent sous forme d'impôts et de taxes, et eux, en fonction de leur partie de leur programme politique, vont mettre en application
les services aux citoyens comme ils ont promis de le faire, entre guillemets, si on veut. Donc, le gouvernement, ce n'est pas une grosse, grosse machine, là. Oui, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais conceptuellement, c'est nos représentants, les gens qu'on a élus pour recevoir nos impôts et taxes et les dépenser. Donc, vous comprenez que les gouvernements payent les hôpitaux, payent les frais de scolarité au Québec. Les routes, ça coûte parce que ça coûte rien. Ça coûte combien une plaque d'immatriculation? Ça coûte 80$, puis tu peux rouler sur des routes asphaltées partout au Québec. Et vous me dites combien ça coûte d'entretenir un système routier, d'entretenir un système d'éducation, d'entretenir un système de santé. Donc, lorsqu'on y va, on ne paye pas. Le payeur, l'utilisateur ne paye pas. C'est donc dire que c'est financé par les impôts et taxes en général. Donc, tous les impôts et taxes que les Québécois envoient au gouvernement servent en grande partie, bien sûr, à payer tous ces services publics-là. Donc, c'est faux hein, de dire à l'hôpital, quand on arrive à l'hôpital puis qu'on passe la carte soleil, ah, ça ne coûte rien, ça coûte très cher. C'est juste qu'on le paye avec nos impôts et taxes. Tu ne le payes pas au moment où tu es malade. C'est tout le monde qui va le payer, à même les impôts et taxes. Ça, je pense que c'est connu, mais il y a des rôles plus méconnus. L'impôt sur le revenu, ça peut jouer des rôles drôlement utiles que vous peut-être vous ne connaissez pas. Contribuer à la croissance économique de certains secteurs. Quand vient le temps d'aider un secteur d'économie, le gouvernement, je ne sais pas, moi, prenez l'exemple des entreprises qui de pâte et papier ou des entreprises qui faisaient des journaux il y a quelques années, quand il y a eu le virage numérique, puis qu'à peu près plus personne n'achète des journaux papier. Puis ça, ce secteur-là, tu vois qu'il y a vraiment, toutes les entreprises ont de la difficulté financière, il y a plein de mises à pied, il y a plein de gens qui vont perdre leur emploi. Comme gouvernement, souvent, tu vas vouloir aider ce secteur-là. C'est gagnant-gagnant d'aider ce secteur-là, parce que si tu ne l'aides pas, tout ce monde-là plein de monde vont être sur l'assurance-emploi, puis ces gens-là vont coûter cher à l'État du fait qu'ils n'ont pas de travail. Donc, des fois, juste d'intervenir avec une mesure, aider ces entreprises-là d'un secteur en difficulté, puis que ça permet de garder des emplois, collectivement, là, on est tous gagnants là-dedans, parce que les gens ne perdent pas leur emploi. Mais il y a différentes façons d'intervenir. Une des façons d'intervenir... Donc, ça, c'est ma loi de l'impôt. Une des façons d'intervenir, ça peut être avec la loi de l'impôt. Je peux aller dans le texte de loi puis donner des congés d'impôt à ces entreprises-là, réduire leur taux d'impôt, leur donner des crédits d'impôt. Donc, avec l'impôt sur le fameux impôt sur le revenu, la loi de l'impôt sur le revenu, c'est un bel outil qu'on peut utiliser si on veut aider des entreprises. Autre utilité, répartir équitablement la richesse. Pensez-vous que tous les Québécois, tous les Canadiens payent exactement les mêmes montants d'impôts, qu'on envoie le même montant au gouvernement? Assurément que non. C'est clairement progressif. C'est clairement, et c'est avoué, c'est clairement dit que les gens les moins fortunés paient à peu près pas d'impôts ou très peu d'impôts. Et plus tu gagnes des revenus importants, plus tu vas consacrer une partie importante à l'impôt. Et les plus riches, eux vont consacrer évidemment une assez grande partie de leur impôt, de leur revenu à l'impôt. Des fois, on dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça, mais des fois, on dit, ah, au Québec, on est super imposé, on paye 50 % d'impôt. Minute, papillon. Premièrement, ceux qui payent 50 % d'impôt, c'est les gens qui font 200 000 et plus. Et ils vont payer 50 % d'impôts seulement à partir de 200 000 et plus. Les premiers 200 000 sont moins imposés que ça. Mais à partir de, on en reparlera de ça, mais à partir de 200 000, là, ils commencent à payer 50 % d'impôts. Quel pourcentage des Québécois fait 200 000 et plus, vous pensez? Pas beaucoup, là. Et à l'inverse, il y a environ 40 % des Québécois les moins riches qui ne payent pas d'impôts. Prends les 40 % les moins fortunés de Québécois qu'on leur charge zéro impôt. Ça veut dire que tous les impôts sont assumés par 60 % des Québécois. On est 60 % à contribuer au trésor collectif. Et après ça, l'État prend cet argent-là et donne des services, évidemment, à 100 % de la population. Okay? Je ne le critique pas du tout. C'est comme ça. Mais il faut juste faire attention. Tu sais que quelqu'un... fait 40 000 de salaire, puis qui dit oh, « on est étouffé au Québec, on paye 50 % d'impôts ». Je ne dis pas, là, mais j'ai le goût de dire « toi, tu ne payes pas 50 % d'impôts ». À 40 000 de salaire, je ne suis même pas sûr que tu en payes tant que ça de l'impôt. Il faut faire attention. Les très riches, les ultra-riches, comme dirait Singh, ces temps-ci, eux, on les impose évidemment un peu plus. Donc, c'est ça l'idée. Hein? C'est vraiment un mécanisme qu'on utilise pour répartir la richesse, aller prendre beaucoup d'argent, beaucoup d'impôts chez les plus fortunés, beaucoup moins, voire aucun impôt chez les moins fortunés. Et c'est comme ça qu'on va offrir des services à tout le monde.
Dernier outil, ça peut être très, l'impôt sur le revenu peut être utilisé pour être compétitif. Un État, c'est en compétition avec les autres États. Le Canada est en compétition avec ses voisins, avec les États-Unis, entre autres. Une province aussi, c'est en compétition avec les autres provinces. Chaque État a avantage, espère attirer le plus de contribuables possible, surtout des entreprises, sur son territoire, pour pouvoir les imposer. Moi, comme le Canada, s'il y a une très grosse entreprise qui veut s'installer à un moment donné, puis je ne sais pas, moi, elle fait de la fabrication de plastique, quelque chose comme ça, puis qu'elle hésite entre, je ne sais pas, ça va s'installer en Beauce, qui est au Québec, au Canada, ou à Détroit, qui est juste au bord de la ligne, aux États-Unis. Elle a le choix, l'entreprise, là, elle peut s'installer n'importe où. Qu'est-ce qui va la faire décider, vous pensez? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'une entreprise décide de s'installer dans un pays plutôt que l'autre, puis créer des emplois dans un pays plutôt que l'autre, puis va être imposée dans un pays plutôt que l'autre? Moi, j'espère qu'elle vient de s'installer chez nous. Mais une des choses qu'elle va regarder, c'est le taux d'impôt. C'est quoi l'impôt que vous appliquez aux entreprises? Donc, si le Canada, on est toujours non compétitif, on charge toujours plus d'impôts que notre voisin américain, par exemple, c'est bien sûr que les entreprises n'auront pas d'intérêt à venir s'installer chez nous. Donc, les entreprises vont aller s'installer ailleurs, vont créer de l'emploi aux États-Unis, puis vont payer leurs impôts aux États-Unis. Fait qu'à quelque part, on ne peut pas faire fi des... Il faut toujours regarder un peu les taux d'impôts qui sont en vigueur. C'est quoi la fiscalité qui est en vigueur chez nos voisins? C'est vrai entre pays, c'est vrai entre provinces, puis essayer de se garder compétitif. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas une fiscalité qui est compétitive avec tes voisins, il va arriver ce que je viens de vous dire. Donc, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous m'arrêtez sur des questions? Hein? On peut en discuter. Ça va être bien plaisant. Maintenant, la perception des impôts. Comment ça fonctionne? Qui fait la perception de l'impôt sur le revenu? Donc, vous savez que de l'impôt sur le revenu, on en paye à deux endroits. Le fédéral, on doit payer un impôt sur le revenu au fédéral et on doit aussi payer un impôt sur le revenu au provincial, à la province de Québec. D'accord? Et vous savez qu'à chaque année, il faut produire un rapport d'impôt. Donc, un rapport d'impôt, c'est un document sur lequel on fait état de nos revenus et qu'on calcule l'impôt qu'on doit envoyer pour l'année. Bien sûr, on va retrancher de ça tout ce qu'on a déjà envoyé sur nos payes et il va rester un net à payer ou à recevoir. Bon. Bien sûr, le fédéral, qui a beaucoup, beaucoup de fonctionnaires, fait la perception de tous les impôts de tous les Canadiens. Donc, au niveau de l'impôt fédéral, à Ottawa et partout au Canada, on a plusieurs fonctionnaires qui ont comme rôle de faire la perception de l'impôt fédéral. C'est bien ça. Qu'en est-il de la perception des impôts des provinces? Le fédéral a fait une offre aux provinces. Le fédéral a dit, ça coûte cher faire de la perception d'impôts. Hein. Il faut créer un organisme qui s'appelle l'Agence du revenu du Canada. Il faut engager des fonctionnaires. Il faut préparer les rapports d'impôts, les recevoir, les traiter, faire des vérifications, faire des cotisations. Ça coûte une fortune, là, organiser un système de perception d'impôts. Donc, le fédéral a déjà un système pour percevoir son propre impôt fédéral partout au Canada. Donc, le fédéral a fait l'offre aux provinces, l'offre suivante. Si vous voulez, on va faire en même temps la perception de vos impôts provinciaux. Donc, en même temps qu'on va percevoir l'impôt fédéral des Canadiens, on va en même temps faire la perception de l'impôt provincial, puis on va vous le remettre. Comme ça, on ne dédoublera pas les fonctionnaires, les organismes, puis toute la structure administrative. Bien, toutes les provinces ont accepté, sauf une, le Québec. Donc, partout ailleurs au Canada, quand les gens font leur rapport d'impôt fédéral, ils font en même temps le rapport d'impôt de la province et envoient un seul rapport d'impôt. Ils font ça qu'une seule fois. Puis, dans la perception, il y a à la fois l'impôt fédéral et provincial. Puis après ça, le fédéral remet ce qu'il doit remettre aux provinces. Nous, au Québec, on est les seuls à faire ça en deux étapes. Donc, nous, on fait affaire avec le gouvernement fédéral pour notre perception d'impôt fédéral. Et au Québec, on a décidé de dédoubler. Donc, on a créé un autre organisme de perception qui est le ministère du Revenu du Québec. On a engagé des fonctionnaires, on a créé nos formulaires, on fait de la cotisation, on fait tout en double. Et concrètement, on doit faire deux rapports d'impôt. Ceux qui ont déjà vu ça, on en envoie un au fédéral, on en refait un qui est quasiment pareil, puis on l'envoie à Québec. Et eux vont l'administrer de façon indépendante. C'est sûr que le Québec, dans sa reconnaissance de nation distincte et dans les courants aussi au niveau de
il y a eu des courants politiques où le Québec voulait se séparer, devenir indépendant. C'est sûr que ça a été fort dans les années passées, ça, ces courants-là. Donc, c'est sûr que ce n'est pas étranger au fait que le Québec veut rester un peu autonome dans sa perception d'impôt. Mais il y a un coût à ça, un coût de cher d'avoir un ministère du Revenu où on engage des milliers de fonctionnaires québécois pour faire, dans le fond, du dédoublement de tâches administratives. Il y a un coût énorme à ça. Donc, ça, c'est la réalité. Ça, c'est l'impôt des particuliers. Quand une société paye ses impôts, c'est la même affaire. Le fédéral perçoit l'impôt fédéral. Le fédéral a offert aux provinces de faire la perception aussi de l'impôt des sociétés. Tout le monde a accepté, sauf Québec et Alberta. L'Alberta, c'est pas compliqué. Les compagnies, jusqu'à récemment, ne payaient pas d'impôts en Alberta. C'est une province très riche à cause du pétrole. Donc, le taux d'impôt des sociétés a longtemps été à zéro. Donc, c'est pas besoin de faire de la perception d'impôt des sociétés en Alberta, puis le Québec aussi voulait être autonome. Ça m'amène à vous parler des mécanismes législatifs. D'accord? Les fameux organismes dont je vous parle. C'est important de bien les connaître. D'accord? C'est important de bien les connaître. Je pense que je vais vous les présenter. En tout cas, vous les connaissez peut-être déjà. Dans une société juridique comme la nôtre, une société de droit, il y a un courant très important, une philosophie très importante qui est de dire qu'il faut faire une séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir administratif. Donc ça veut dire que dans une société de droit qui se respecte, c'est très important que ça soit étanche et qu'il n'y ait pas de contact entre l'organisme qui a comme rôle de légiférer et l'organisme qui a comme rôle d'administrer la loi. Vous comprenez la différence? Légiférer, c'est décider du contenu de la loi. Donc, décider qu'est-ce qui va être imposable, qu'est-ce qui ne sera pas, qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est quoi les taux d'impôt. Donc, quand on fait ça, c'est les élus au Parlement qui votent des lois et qui vont décider du contenu de la loi de l'impôt. Ça, l'organisme qui s'occupe de la législation, c'est le ministère des Finances du Canada. Et l'autre organisme, c'est l'Agence du revenu du Canada, qui, elle, a comme rôle de faire appliquer la loi. Donc, l'Agence du revenu du Canada, elle ne légifère pas, elle ne décide pas qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Elle prend la loi que Finance a rédigée et elle va l'appliquer aux Canadiens. Donc, va envoyer les rapports d'impôt, recevoir vos rapports d'impôt, gérer vos paiements, charger de l'intérêt, faire des vérifications. Et donc, c'est vraiment deux organismes séparés avec deux ministres différents. Ce que vous savez, c'est qui le ministre avant le déclenchement des élections? Là? Vous connaissez le ministre des Finances du Canada? Ah, je pourrais cliquer sur le lien. Ici. Donc, c'est le ministre des Finances du Canada, qui est le chef du ministère des Finances. Donc, c'est son ministère qui légifère. Donc, avant que les élections soient déclenchées, c'était elle. On les connaît la plupart du temps, vous l'aviez peut-être déjà vu, et sont un peu plus vus, un peu plus connus. C'est eux, entre autres, qui lisent les budgets à la Chambre des communes. Est-ce que vous connaissez notre ministre de l'Agence du revenu du Canada? On l'appelle la ministre du revenu. Oui, beaucoup moins connue. Donc, Mme Diane Boutillier, ça, c'est la ministre qui chapeaute l'Agence du revenu du Canada, qui a le pouvoir administratif. On a la même chose au Québec. Donc, au Québec, on a le ministère des Finances du Québec qui légifère la loi fiscale québécoise et l'Agence du revenu du Québec, mais tout le monde appelle Revenu Québec, qui a comme rôle de faire appliquer. Donc, c'est deux ministères complètement étanches, différents. Étrangement, c'est le même ministre au Québec qui chapeaute les deux. C'est Éric Girard ici. Donc, de la CAQ, hein, parce que c'est la CAQ en ce moment qui est au pouvoir. Donc, lui est à la fois ministre des Finances et ministre du Revenu, mais il y a vraiment deux ministères distincts quand même qui sont autonomes l'un de l'autre. Pourquoi c'est si important que ça, cette séparation-là des pouvoirs législatifs? Ça marche comme ça partout. Dans les lois fédérales, dans les lois provinciales, dans les lois municipales, même dans des petits règlements, dans des petites organisations, dès que
il y a des lois et règlements en vigueur, ça prend une séparation entre le pouvoir législatif et administratif. C'est quoi le risque, vous pensez? Qu'est-ce qui pourrait arriver s'il n'y avait pas cette séparation-là, étanche? Qu'est-ce qui arriverait, vous pensez, si dans un pays, la même personne légiférerait les textes de loi et les appliquerait elle-même? Oui, mais le problème, c'est que les gens en viennent à appliquer la loi, non pas comme elle a été écrite, mais comme tu voulais l'écrire. Donc, tu n'es pas objectif dans ta lecture de la loi. Tu peux être biaisé par qu'est-ce que tu voulais faire avec ta loi. Dans le fond, ça fait des dictatures. Un pays où il y a une dictature, c'est parce que le roi, souvent même pas élu, à la fois légifère le texte de loi et contrôle la police pour appliquer le texte de loi. Ça fait que c'est tout croche. Puis, si tu n'es pas content, tu t'en vas devant un pseudo-tribunal, puis c'est la même personne qui est le juge. Il est partout, là, le dictateur. Là. Je dis ça en riant, mais c'est pas drôle. Là. Donc, une démocratie, comme tu dis, Carl, une démocratie qui est solide, va avoir toujours une étanchéité entre le pouvoir législatif et administratif. Je vais vous donner un exemple, okay, qui va vous frapper l'imaginaire. Je vais vous donner un exemple aussi bas qu'un règlement à l'UQTR. OK? Admettons qu'on veut instaurer un nouveau règlement sur le campus de l'UQTR. OK? Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé cet été. Cet été, il est arrivé un grave accident sur le campus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a un grave accident de vélo. Là, il y a quelqu'un qui était en vélo sur le campus et qui roulait vite. Là, je pense que c'est un vélo électrique. Il roulait très, très, très vite. Puis il a vraiment frappé un groupe de personnes qui étaient sur le campus. Puis, gravement blessé, il y a des ambulances qui sont venues, tout ça. Bon, en tout cas, on n'a pas entendu parler, on dirait. Bon. Puis là, est né de cet événement-là une idée que peut-être on pourrait interdire les vélos sur le campus. Tu sais, un nouveau règlement, là, ça vient toujours de quelque part. Ça prend naissance dans un événement, un accident. Puis là, d'ailleurs, il y a des groupes de pression. J'ai vu l'AGE cet été avec des pancartes. Là. Il y avait 2-3 représentants là, interdire les vélos sur le campus. Je pense qu'ils ont même rencontré la direction pour proposer ce règlement-là. Souvent, un règlement, c'est comme ça. Il y a des citoyens qui font des moyens de pression. Ça vient pas tout seul. Là. Un législateur, le matin, il se dit pas, oh, il me semble que je filerais pour interdire les vélos sur le campus. Pas de même que ça se passe. Donc, comme de fait, le législateur à l'UQTR, c'est le bureau du recteur, c'est le chef de l'établissement qui a le pouvoir législatif de faire les règlements. Avant de faire un règlement comme ça, il va faire une étude. Il va dire à ses conseillers, faites-moi une étude, là, puis donnez-moi un rapport la semaine prochaine, c'est quoi les avantages et inconvénients? Donc, ils vont aller voir les autres universités. Y a-t-il des règlements similaires? Est-ce que ça s'est plein? Ce serait quoi les conséquences sur le transport en commun? Est-ce que les gens prendraient plus l'auto? Fait que là, les conseillers font un rapport au directeur de l'établissement et recommandent effectivement qu'on passe un règlement. Ils disent, la conclusion, c'est ouais, effectivement, il faut réinterdire les vélos sur le campus. Parfait. L'étape suivante, le législateur, le recteur, va faire son règlement. Qu'est-ce que ça pourrait dire en une phrase bien simple? Avez-vous une suggestion à me faire? Qu'est-ce qui pourrait être écrit si on veut faire un règlement interdisant les vélos sur le campus? Ça va être bien compliqué, là. Est-ce que quelqu'un a une suggestion à me faire? Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Une phrase. Sujet, verbe, complément. Génial. Vous avez entendu? Marie-Ève, ça ne peut pas être plus direct que ça. Les vélos sont dorénavant interdits sur le campus. Point. Parfait. Le recteur fait son règlement, comme tu l'as dit. Les vélos sont dorénavant interdits sur le campus. Point. Est-ce que c'est lui qui va appliquer son règlement? Est-ce que c'est le recteur qui va courir après le monde en vélo sur le campus? Non, lui, il a le pouvoir législatif. Il n'a pas le pouvoir administratif. Donc, il va envoyer ça aux agents de sécurité. Qui, eux, représentent le pouvoir administratif, ceux qui y appliquent les règlements. Donc, les gars, pendant leur pause, reçoivent un courriel, nouveau règlement sur le campus, comme citation de Marie-Ève, les vélos sont dorénavant interdits sur le campus, point. Oh boy, OK. Là, les agents de sécurité savent qu'ils doivent dorénavant appliquer ce règlement-là. Voici ce qui s'est passé hier, au début de la session. Le règlement est en vigueur maintenant.
Les agents de sécurité ont vu passer quelqu'un sur le campus sur un unicycle, une roue, à toute vitesse. Je pense qu'il était peut-être même en état d'ébriété, dangereux, comme ça se peut pas, il fait pas les stops, il laisse pas passer les piétons. Il a failli écraser un piéton, mais il était sur un unicycle, une roue. Qu'est-ce que les agents de sécurité ont fait, vous pensez? Est-ce qu'ils l'ont arrêté ou pas? Là, ils ont relu le règlement. Bon, le règlement, il faut le relire, c'est un peu mêlant. Les vélos sont dorément interdits sur le campus. On l'arrête ou on ne l'arrête pas? C'est un vélo, ça? Mais est-ce que c'est défini, vélo, dans le règlement? Non. Il manquait peut-être une définition dans son règlement. Merci, Marie-Ève. Mais dans un bon règlement, souvent, il faut définir c'est quoi un vélo? Deux roues, quatre roues, une roue. Donc, les agents sont bien embêtés. Il manquait une définition dans le règlement. Autre exemple. La même journée, à 11h30 du soir, ils ont vu passer un vieux monsieur à côté. Il y a de la misère à marcher, là. Il était vraiment, vraiment vieux monsieur. Il était dans le fin fond d'un coin du campus. C'était même pas. Je pense qu'il était sur le gazon. Là. Il essayait d'aller retrouver sa résidence. Qui marchait tranquillement là, à côté de son vélo. C'est zéro dangereux. Là. À la limite, on aurait le goût de l'aider. Là. Qu'est-ce que vous pensez que les agents ont fait? Ils ont lu le règlement. Il est interdit d'être en vélo sur le campus. Bien, ils l'ont arrêté. Est-ce que c'était ça, l'intention du législateur? Arrêter un petit vieux qui dérange, excusez l'expression, là, mais, arrêter quelqu'un comme ça qui dérange personne en fin de journée dans un coin d'un campus. Est-ce que c'était vraiment ça, son intention du législateur? Je ne pense pas. Donc, deuxième défaut du règlement, il manque sûrement des exceptions. Premier défaut, il manque des définitions, on l'a dit tout à l'heure. Deuxième défaut, tout bon règlement a des exceptions. T'sais, il devra avoir exception si la personne ne dérange pas ou est vraiment prudente et que c'est après les heures de cours, veuillez pas l'arrêter. Tout bon règlement a des exceptions. Troisième exemple, un espèce de fou en vélo qui passe à toute vitesse, sur l'espèce de bretelle. Tu sais, quand vous arrivez, vous êtes sur la rue des Récollets, puis que vous descendez des Récollets, puis là, le cutter est à gauche, puis vous prenez la bretelle pour rentrer sur le campus, là. Il est sa bretelle. Il n'est pas sur des Récollets, mais il n'est pas non plus sur le campus. Il est sur la bretelle qui fait le joint entre l'UQTR, le campus et le Récollets. On l'arrête ou on ne l'arrête pas? C'était quoi l'intention du législateur? Sûrement qu'il voulait l'arrêter. Encore là, troisième défaut du règlement, il manquait une définition de c'est quoi le campus. C'est quoi la délimitation de ton règlement? Donc, c'est un exemple pour vous montrer que ce n'est pas simple, légiférer. Un simple règlement là, que tu dis, il me semble que ce ne sera pas compliqué, là, interdire des vélos sur le campus, ben, ça finit par trois textes de page. Parce que tu as ton premier règlement, ton premier article qui est général, ça te prend des définitions, définir vélo, définir campus, il faut que tu prévoies des exceptions. Fait que, donc, ça pour dire que quand on trouve des fois les textes de loi un peu durs à lire, un peu lourds, c'est parce que le but, c'est que ça fonctionne. Le but d'un texte de loi, ce n'est pas une lecture de chevet, puis c'est pas pour te distraire, c'est juste pour être efficace. Il faut que ça atteigne ses objectifs. Puis si c'est fait trop vite ou c'est botché, excusez-moi l'expression, ça n'atteindra pas ses objectifs. Le règlement, il ne marchera pas, comme on l'a vu ensemble. Comprenez que ce n'est pas vrai, cette histoire-là. Il n'y a pas eu d'accident en vélo sur le campus. Autre sujet important, ou en tout cas que je crois que vous allez que vous devez savoir, c'est quoi les différentes sources de droit? D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous disais, quand vous êtes devant une situation donnée et que vous voulez trouver un traitement fiscal, il faut toujours, toujours aller lire le texte de loi. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi la couleur du plafond de la salle de classe? La réponse était dans le texte de loi. Donc, c'est sûr que la première source de droit, celle qui est la plus forte et celle qu'on devrait toujours consulter, c'est les textes législatifs. Donc, pour trouver un traitement fiscal à une situation donnée, c'est toujours la première place où on devrait regarder, c'est la source de droit la plus forte. Mais je vais vous montrer à l'aide d'un exemple que parfois, malgré toute la bonne volonté du législateur,
il y a certaines situations qu'il n'avait pas prévues. Donc, ça se peut que parfois, devant une situation donnée où tu cherches un traitement fiscal à appliquer, tu ne trouves pas de réponse dans les textes législatifs. Donc, tu vas devoir aller voir les autres sources de droit, la jurisprudence, les positions administratives et la littérature ou les écrits là, de recherche au niveau de la fiscalité. Je vais vous le donner encore une fois, je vais vous montrer ça à l'aide d'un exemple. Okay? Quand j'étais en pratique, j'étais fiscaliste, en fin de journée, il y a un de mes patrons, un associé qui vient me voir avec une question. Bien sûr, c'était mon travail de répondre aux questions de fiscalité. Je vous explique rapidement la situation, ce n'est pas compliqué. Le bureau, on avait un client qui avait une entreprise. Son entreprise, c'était de faire le transport maritime de marchandises. Donc, l'entreprise, elle détenait des bateaux, puis elle mettait des containers sur le bateau, puis elle faisait du transport maritime pour des clients qui voulaient acheter un espace container. Donc, une entreprise qui avait des revenus dépenses. Des revenus, c'était la vente des containers. Les dépenses, c'était tout le coût du bateau, l'entretien, les salaires du capitaine et tout ça, de l'équipage. Bon, ce que mon client me dit, c'est que ce bateau-là a reçu une contravention. Une contravention pour excès de poids. Je ne le savais pas. Ça a l'air qu'il existe une loi quelque part qui est la loi sur le poids des bateaux. Puis dans le fleuve Saint-Laurent, tu ne peux pas être trop lourd parce que tu vas accrocher le fond du fleuve. Donc, il y a des règles très, très strictes sur le poids des bateaux. Une contravention de 750 000 $. 750 000 de contravention parce qu'il était trop lourd puis il avait enfreint cette loi-là sur le poids des bateaux que je ne connaissais pas. Moi, je suis expert en loi en impôt sur le revenu. Là. Je ne connais rien, moi, au poids de bateau. Fait que ma job, ce n'était pas de contester le poids du bateau. Je ne connais rien. La question était la suivante. Est-ce que la contravention va être déductible dans le rapport d'impôt de la société? Ça, c'est mon travail. Ça, c'est mon expertise. Parce que ça relève de la loi de l'impôt. Dans la loi de l'impôt, quand vient le temps de faire un rapport d'impôt, ça doit être écrit si une entreprise qui paye une contravention de 750 000, est-ce qu'elle peut le déduire de ses dépenses? Vous comprenez le but? C'est que si je peux passer dans mon rapport d'impôt, je peux mettre un moins 750 000 dans mes déductions, je vais faire chuter mon revenu fiscal et donc je vais payer moins d'impôts. Donc au moins, le but, ce serait de pouvoir abaisser l'impôt payable en disant, bien, ça, c'est une dépense d'opération qui est déductible comme les autres dépenses d'opération. C'est ça la question. Fait que je dis, parfait, je vais trouver la réponse. Fait que comme tout bon fiscaliste, je commence par la source de droit la plus forte. Puis là, je lis la loi de l'impôt. Je lis. Je la connais, la loi, pourtant. Je ne trouve rien. Je fais des recherches dans mon outil de recherche web. Là. Je fais CTRL-F, là, rechercher, là, bateau. Je cherche bateau pour voir si ça va ressortir. Je cherche poids, etc. Ah, rien. La loi de l'impôt est muette. Jamais le législateur a cru bon écrire là-dessus. Jamais le législateur s'est questionné si ça devrait être déductible ou pas dans un rapport d'impôt, le fait de payer une contravention. J'ai beau chercher, ça arrive. Ça arrive que sur des transactions particulières, peu fréquentes, qu'on soit face à une loi muette. On fait quoi? Ça veut-tu dire qu'on tombe dans un no man's land et aucune loi qui va s'appliquer? Non. Si la première loi est muette, la première source de droit est muette, on va aller passer à la deuxième. La deuxième source de droit qui existe en fiscalité, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, c'est ni plus ni moins que la... Pardon. C'est ni plus ni moins que... je vais le monter même, Simon. L'accumulation des tribunaux, des jugements rendus devant des tribunaux. D'accord? Donc ici, je vous présente, quand on est en désaccord avec le traitement fiscal qui nous est réservé, quand l'Agence du revenu du Canada dit, Nicolas, tel élément, là, tu dois le mettre dans ton rapport d'impôt, ou tu ne peux pas prendre la déduction, peu importe. Si je ne suis pas d'accord, j'ai le droit de poursuivre l'ARC, ou je peux être poursuivi par l'ARC, et on peut amener cette question-là devant les tribunaux. Comme n'importe quelle loi, il peut y avoir des litiges. L'ARC n'a pas tout le temps raison. Là. Si l'ARC dit « tu dois faire ça », puis moi, je lis la loi, puis je dis « non, moi, je ne pense pas que je dois faire ça », j'ai le droit de ne pas être d'accord, et on a le droit d'aller devant les tribunaux, puis un juge tranchera de notre question, comme n'importe quelle loi, finalement. En matière de fiscalité, il y a trois tribunaux en ordre
première instance, c'est la Cour canadienne de l'impôt. Donc, on va aller devant la Cour canadienne de l'impôt où c'est un tribunal spécialisé qui entend uniquement des causes qui portent sur la fiscalité. Donc, les juges sont très bons en fiscalité, ils connaissent la loi de l'impôt par cœur. Donc, on va vraiment aller faire un procès, moi contre l'ARC, puis on va, je donne mes arguments, l'ARC donne ses arguments, le juge va aller délibérer, puis le juge revient et va rendre sa décision. Admettons que j'ai perdu. Donc, le juge a donné raison à l'ARC. Je peux demander d'aller en appel. Comme n'importe quel tribunal de première instance, si on pense qu'on a été lésé dans le premier procès, on peut demander à la Cour d'appel d'entendre notre cause puis de refaire un procès. Ce n'est pas automatique. Hein? Pour que la Cour d'appel accepte d'entendre une cause, il faut qu'on prouve qu'il y a eu une erreur commise dans le premier tribunal. Il faut prouver que le juge me refusait un témoin alors qu'il n'aurait pas dû. Le juge ne m'a pas laissé mon droit de parole alors qu'il aurait dû. Il faut que, si ce n'est rien passé de spécial dans le premier tribunal, dans le premier procès, la Cour d'appel va dire que ça ne donne rien d'entendre de le réentendre. Bon, admettons que je réussis à les convaincre, on va aller en Cour d'appel. Donc là, on va refaire le procès. Il y a trois juges. Ils sont toujours trois qui entendent les causes à la Cour d'appel. Bon, donc, on va faire toutes nos délibérations comme la dernière fois et les juges vont rendre leur jugement. Admettons qu'ils donnent encore raison à l'ARC. Mais mon dernier recours, c'est pas facile, ça serait demander d'être entendu au plus haut tribunal du Canada. La Cour suprême du Canada, c'est le tribunal le plus haut au Canada. Ils n'entendent pas beaucoup de causes à chaque année, une centaine de causes par année. Ils sont 9 juges en toge rouge, des perruques blanches. C'est très spectaculaire, c'est très protocolaire. Donc, pour que notre cause soit entendue en Cour suprême du Canada, deux critères. Un, il faut prouver qu'il y a une erreur qui a été commise en Cour d'appel, mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, il faut que tu prouves que ton problème ou ton enjeu ou ton questionnement, ton litige, il est d'intérêt national. La Cour suprême n'entend que des causes qui portent sur des sujets qui intéressent tous les Canadiens. Donc, la Cour suprême a entendu des causes qui portaient sur le droit à l'avortement, sur des sujets fondamentaux importants pour une société. Pas sûr qu'ils voudraient entendre une cause sur la déductibilité d'une contravention pour excès de poids de bateau. Pas sûr que ça passerait le critère de l'intérêt national. Mais bon, admettons qu'ils acceptent d'entendre ma cause, mais là, on refait un troisième procès, les 9 juges rendent jugement, et là, bien sûr, c'est final. On ne peut pas faire changer ça. Mais vous comprenez que, à quelque part, tous ces jugements-là, qui ont été rendus dans le temps, à quelque part, ça devient une source de droit. Pourquoi ça devient une source de droit? C'est que devant une question comme la mienne, où la loi est muette, la déductibilité d'une contravention, bien, deuxième étape, je vais aller voir dans la jurisprudence. Je vais aller voir dans tous les jugements qui ont été rendus dans le passé. Est-ce qu'il y a déjà eu un litige comme le mien? Est-ce que l'ARC s'est déjà ostiné avec un contribuable exactement sur la même question que la mienne? Admettons que j'en trouve 10. 10 jugements, 10 causes qui ont été devant les tribunaux identiques à la mienne. Puis 10 fois, l'ARC a gagné. Qu'est-ce que ça me donne d'aller faire une 11e cause? Qu'est-ce que ça me donne d'aller faire une 11e cause? Pareil, qu'est-ce qui va arriver? Je le sais ce qui va arriver. Quand ça va être le temps de faire la délibération, le juge qui a entendu ma cause, qu'est-ce qu'il va aller faire, lui? Il va aller lire la jurisprudence aussi. Puis il va aller voir que dans le passé, 10 de ses collègues, dans des situations pareilles, ont toujours donné raison à l'ARC. Donc, les juges, ils se sentent liés. Les juges se sentent liés par les décisions en jurisprudence. Donc, je le sais d'avance que je vais m'inscrire là-dedans, puis qu'il va garder le courant, qu'il va regarder un fort courant jurisprudentiel, puis c'est sûr qu'il va faire gagner l'ARC. Donc, à quelque part, c'est pour ça qu'on dit, quand on a une jurisprudence forte, puis qu'on est capable de trouver beaucoup de jugements similaires aux nôtres, bien, à quelque part, ça devient une source de droit. À quelque part, l'ARC ou moi, possiblement qu'on lâcherait le morceau, puis qu'on dirait, c'est vrai, ça ne donne rien d'aller plus loin. Il y a eu 10 jugements, puis les 10 fois l'ARC a gagné. Moi, je n'irai pas devant les tribunaux, puis je dis, c'est beau, puis j'accepterai que l'ARC gagne. Bon, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. J'ai fouillé la jurisprudence, je n'ai rien trouvé.
Jamais, jamais au Canada, les tribunaux ont entendu une cause sur cette question-là de déductibilité d'une contravention. Donc là, on va passer à la troisième source de droit. Là, plus on avance, plus c'est faible. C'est pas le fun parce qu'on se ramasse avec les premières sources de droit qui sont les plus fortes, ils sont un peu inébranlables. Personne, tout le monde est d'accord. Mais plus on avance, plus c'est faible comme source de droit. Troisième source de droit qui ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas, les positions administratives. L'Agence du revenu du Canada prend plusieurs positions, les écrit sur son site Web, sur plusieurs sujets. Donc, peut-être qu'ils ont déjà écrit sur un site Web, c'était quoi leur position. Donc, peut-être qu'il y a une page Web à quelque part sur le site de l'Agence du revenu du Canada qui dit, selon nous, lorsque une entreprise a une contravention pour excès de poids de bateau, selon nous, elle ne peut pas le déduire pour telle ou telle raison. L'ARC, ils sont transparents. Quand ils ont des positions d'arrêter de ce genre-là, ils les écrivent. Fait que je vais aller lire ça. OK, l'ARC, elle l'a écrit. Tu sais, quand on va sur le site du gouvernement, des fois, puis on dit OK, il s'écrit sur le site du gouvernement. On est là, on est dans les positions administratives. Ce n'est pas des juges qui parlent, puis ce n'est pas le législateur qui parle. Ce n'est que l'ARC qui parle, leur façon d'interpréter la loi. Donc, ça va me dire, OK, l'ARC pense que ce n'est pas déductible. Est-ce que ça va m'arrêter? Peut-être que oui, peut-être que non. Comprenez que pour des petits enjeux, les positions administratives, des fois, ça règle les questions. T'sais, si vous vous obstinez sur un crédit d'impôt de 200 $ puis qu'il y a une position administrative, l'ARC est clair, là, tu n'as pas droit à ce crédit d'impôt-là. Bien, pour 200 $ ne donne pas vraiment la peine d'aller devant les tribunaux. Là. Tu le sais que l'ARC va s'y opposer. Puis pour des petits montants, souvent, ça devient une source de droit. Mais pour des gros enjeux, des gros montants, on n'est pas obligé de s'arrêter à ça. Ce n'est que la position de l'autre partie. C'est rien d'autre que ça. Dernière source. Donc, moi, j'ai fouillé. Dans mon cas, je n'ai rien trouvé. Aucune position administrative, le site de l'ARC, j'ai appelé, ils n'ont jamais rien écrit, ils n'ont jamais pris de position sur comment traiter une contravention. Dernière source de droit, là, c'est faible, pas à peu près, la littérature fiscale. Y a-t-il quelqu'un, à quelque part, qui aurait écrit un texte là-dessus, un professeur d'université? Y aurait-il quelqu'un dans une conférence qui aurait déjà parlé de ce sujet-là? Pas drôle quand on est rendu là. Fait que, je ne sais pas moi, peut-être que vous allez dire, ah oui, regardez, dans le livre de mon professeur Nicolas Boivin, là, on fait semblant que M. Boivin, là, le prof à l'UQTA, il écrit que selon lui, une contravention pour une telle contravention, ça devrait être déductible. Donc, voyez, tu dis ça à l'ARC, là, mon prof, il l'a écrit dans son livre. Qu'est-ce que ça vaut? Là? Un prof qui écrit dans son livre qu'à son avis, à mon avis, ça devrait être déductible. Donc, c'est une source de droit qui est très, très, très faible. On essaie de jamais se rendre là, mais à défaut de ne pas avoir trouvé nos réponses avant, ça se peut que quelque part, les gens disent « OK, comme on n'a rien d'autre, on pourrait se fier là-dessus. » Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dans cette question-là, pour vrai, ça se règle en jurisprudence. Cette question-là existe pour vrai. Elle était toutes les contraventions. Toutes les entreprises ont toujours demandé s'ils pouvaient les déduire. Puis c'est vrai que la loi est muette. Je ne parle pas de ça, mais la jurisprudence, après tous les jugements ont toujours donné raison à l'ARC. Les juges ont toujours dit, effectivement, quand une entreprise paye une pénalité, elle ne peut pas le déduire de son rapport d'impôt. Puis les juges ont dit comme raison, c'est que ça enlèverait le mordant ou l'effet pénalisant d'une pénalité. Si d'une part, tu me donnes une pénalité de 100$, mais parce que je le mets dans mon rapport d'impôt, ça me fait sauver 40$ d'impôt, bien, ma pénalité n'est plus vraiment de 100. Hein, oui, j'ai payé 100, mais j'ai sauvé 40$ d'impôt. Ça fait comme amoindrir l'effet d'une pénalité. Donc, une pénalité, comme c'est là pour pénaliser un geste fautif, les juges ont dit, pour être sûr que il ne faut pas qu'une personne sauve de l'impôt en mettant ça dans son rapport. Donc, là, pour vrai, là, on aurait trouvé notre réponse assez vite. Toujours pas de questions? Je pense que j'ai pas mal terminé. Hein? Ouais.
Ce que je pourrais juste vous dire pour finir avec ça, c'est que c'est ça le travail d'un fiscaliste. Quand on décide de se spécialiser en fiscalité, d'aller faire une maîtrise en fiscalité, puis de dire, moi, j'ai envie dans la vie d'être fiscaliste, c'est ça qu'on fait. Un fiscaliste, c'est très, très bien payé et on s'attend à ce qu'il aille consulter les sources de droit telles qu'on vient de le voir. Donc, quand tu fais une maîtrise en fiscalité, tu apprends pendant un an à lire le texte de loi et tu vas passer ta carrière le nez dans le texte de loi. Quand tu es fiscaliste, qu'on te pose une question, tu ne peux pas dire « Ah, je vais aller chercher la réponse dans un livre d'école. » Parce que si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais dans le fond? Tu t'en vas directement à la quatrième source de droit. Si tu n'es pas fiscaliste, souvent du monde en pratique se font poser une question par un client, ils vont voir dans un livre d'école, puis ils vont donner comme réponse « Regarde, le prof dit que c'est déductible, vas-y, déduis-le. » C'est une faute grave à quelque part d'aller trouver une réponse dans un livre d'école. Tu es dans la source de droit la plus faible. Tu es allé directement dans la quatrième source de droit. Mais honnêtement, pour un non-fiscaliste, on peut comprendre ce comportement-là. Parce que tout le monde n'est pas capable de lire des textes de loi, puis de lire des jurisprudences, puis de passer à travers des positions administratives. Mais quand tu deviens fiscaliste, ta formation de fiscaliste, c'est ça qu'elle t'amène à faire. Et après, quand on pose une question à un fiscaliste qui est cher payé, on s'attend à ce qu'il consulte en ordre les sources de droit, même si c'est dur, là. C'est plate le soir à 8 heures de taper à la loi de l'impôt pour trouver ces affaires-là, mais c'est ce qu'on s'attend de toi. Donc, il faut vraiment que tu sois discipliné puis que tu aies vraiment en ordre trouver dans les sources de droit. C'est la formation d'un fiscaliste. Bon, voilà. Pour le reste, vous pouvez le regarder par vous-même. J'ai rien vraiment à ajouter là, par rapport au reste du sujet. Donc, vous voyez, pas grand-chose de difficile là-dedans. Ce n'est pas un sujet piège, le sujet 1. C'est vraiment mettre en contexte, savoir dans quoi vous vous embarquez. Les problèmes que vous allez faire après le cours, là, ça vous demande de réfléchir. Ça se peut que vous compreniez, vous n'ayez pas tout de suite la bonne réponse. On est vraiment au titre là, de la réflexion dans le sujet 1. Fait que paniquez pas. Là. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va rentrer dans les premières règles de la loi de l'impôt, les règles d'assujettissement. Et là, vraiment, on va faire ce qu'on aime faire ou ce qu'on souhaite faire dans un cours de fiscalité. Donc, faites-vous en pas. Là, je voulais juste, si vous avez compris l'essentiel, vous avez apprécié, c'est ça l'important. Toujours pas de questions? Excellent. Bien, on va terminer avec le défi Kahoot. Alors,